The fuck? Allô? Merci pâté du 39, pâté du... What? Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai baissé la qualité, j'ai pas... Vous m'entendez là les gars? Ah, le gros bug. Bonjour. Oui, bonjour. Excuse, j'ai eu une panthère. Oui, oui, ça nous a attaqué là, c'est pour ça que je me cache ici là, j'attends. Ok, ah oui, j'ai vu Monsieur Balthazar là, ok. Ouais, il est parti, je sais pas ce qui s'est passé. Hein. No, ok, ok, merci. Désolé. Vous savez où il est parti? Non, je sais pas du tout, monsieur. No, ok, ok. Les gars, c'est bon? What? Mon BS là, qu'est-ce qui lui est arrivé? Y'a un panté qui est arrivé, qui a attaqué. Re. Balthazar, il est où? Allô, Balthazar, t'es là? T'es où? J'ai un problème de tête, là. Vous êtes là? Allô? Bonne fin de soirée avec Nostalgie, c'est Nostalgie Génération 81 qui continue comme tout. Mais où Balthazar? J'ai un gros bug là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me reçoit? Oui, je te reçois, qu'est-ce qu'il y a, frérot? Jean-Louis, pourrait-on se voir? Non, je cherche Balthazar, là. Je sais pas où il est, Balthazar. Attends, je vais le TP, les gars. Il est où, là? Il a dû bugger aussi, attends, je vais le TP. Ça nous a refroidi là. Vas-y monte là, j'ai un problème de cerveau là. Ouais moi aussi. T'étais où là? L'hosto. C'est bon ouais, c'est qu'on a eu un problème de cerveau, allez go. Allez c'est parti. Putain les flics ils cassent les couilles wesh. Ouais hey, en vrai t'étais pas vite, t'as juste décollé. Ouais, en plus j'ai pas décollé, mais après ils ont pas de preuves, ils peuvent pas m'arrêter comme ça, tu vois ce que je veux dire? Et encore ouais. Si je roulais comme un gazé, tu vois? Hop là. Allez, on va repartir. Faut faire gaffe, hein. Skip, y'a un panthère sur la route là. Hein. Ouais, j'ai enlevé le 1080 là, les gars, parce que je bug là. Petit poney, mais il m'a bouffé. Ouais, c'est pas grave, les gars. Merci d'être revenus, les frérots. C'est pas grave si on a bugué. Vous êtes là, c'est plus important. Ça arrive, les gars. T'avais 7000 en plus. Ah, GG à vous, les gars. C'est pas grave, les frérots. Merci, Jackie, encore tout à l'heure. Je sais pas si vous l'avez remercié. Merci, Peter Dieu. Jackie, il a offert 50 abonnements, wesh. Y'a maintenant Jean-Louis Duval qui m'envoie un message là, putain de merde. GG, merci les frères. Merci pour eux. Je sais pas, en ce moment mon cerveau il fume un peu, tu vois, ça me fait chier. Ouais. Allez, let's go.
Allez, c'est parti. Hop là. On va bien rigoler là, à mon avis, les gars. Hop là, ça m'a perturbé, hein. Ce bug là, putain. Allez, c'est pas grave. Bon les gars, croisez les doigts. Ça va être drôle à mon avis. Il prend son temps, hein. Ouais, tu veux que je roule le portail ou quoi? Non, t'inquiète, je crois qu'il arrive. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, ça, c'est pourquoi? Vous êtes bien monsieur Jean-Louis Duval? Mmh. Je viens de la part de monsieur Ken Flash. Comment ça? Je m'appelle, je suis son fils. Aaron Flash. Le petit Aaron? Oui, c'est bien moi. Qui aurait cru un jour que tu viennes ici? Ouais, il m'a donné le contact, il m'a dit que c'est vous qui l'avez guidé, etc. Qui lui a donné un peu de boulot quand il avait besoin. Donc je me suis dit, bah voilà quoi, je vais en faire pareil. Hmm. Donc si vous avez besoin de moi pour le boulot, voilà, je suis là. C'est ta voiture? Mmh. Oui, c'est ma voiture. J'ai bossé dur pour l'avoir. Oui, je m'en doute. Et voilà. Ça, qui est-ce? C'est mon ami, on a grandi ensemble, on est tout le temps ensemble, c'est un peu mon bras droit. Monsieur Balthazar, enchanté monsieur. Très bien, enchanté. Voilà, donc on peut rentrer. Oui. Tu m'as l'air très bien vêtu en tout cas. Merci, je suis très sérieux, quand il faut bosser, il faut bosser, quand il faut rigoler, il faut rigoler, voilà. Tu as des airs de famille. Ah, merci. Faut l'avouer. Mmh. Vous aussi, vous m'avez l'air d'être très familier. Très bien. On dirait qu'on s'est déjà vu. C'est qui cette personne pour vous, là? Un pote d'enfance. Ok, vous l'éliminez. Hein? Vous coupez les ponts avec cet individu, là. C'est... Comment ça? C'est mauvaise fréquentation, faut arrêter. Mais... Pourquoi vous dites ça? Je suis pas mauvaise... Ah, je dois l'éliminer? Non, pas... Pas au sens propre. Vous... Il peut pas bosser, lui. Non, c'est... Mais c'est, avez... un peu... non. C'est un peu d'enfance, on a grandi ensemble. Les flashs sont toujours solitaires. Mmh. Oui, mais... Monsieur, s'il vous plaît, faisez-moi confiance. j'ai vu qu'avec lui tout le temps. Ouais, on a grandi ensemble, c'est pour ça qu'il est toujours avec moi. On a grandi ensemble, et même mes parents, mon père le connaît. Mon père l'a validé. Tant qu'il ne profite pas de vous. C'est lui qui profite sur moi. Ça commence par un pull et ça finit par une voiture. Et après, toute la vie passe. Bon, voilà. Nous, on est comme Tic et Tac. Tic et Tac. Randia Zurich. Comme ça, je... Désolé. Oui, très bien. Rouvre la... Monsieur, écoutez. Oh! Oh! Excusez-moi! Ouais, vous avez vraiment des. Ça va? Des gènes héréditaires. Ah oh, putain! Waouh, elle est belle chez vous, hein! Eh, mais c'est la voiture ça! Oh, la voiture qu'on l'a vendue! Ah, faut pas changer les bonnes habitudes, les gars. C'est logique, après. On se connaît pas, on se découvre, voilà. Vous voulez que je mette petit poney? Oui, Non, pas maintenant. Entre nous. Ne prenez pas la confiance. Mais, bien sûr que non, monsieur. C'est que du professionnel. Oui.
Donc du coup, tu as un travail? Tu as une maison? Ben, pour je bosse un petit peu dans la mécanique, comme mon père me l'a appris, c'est tout. Et après, ben, si vous avez du boulot pour moi, et il m'a parlé que vous êtes plus dans le sale. Je ne veux pas te cacher que ça s'est très mal fini la dernière fois que j'ai éduqué un Flash. Écoutez, faites-moi confiance, s'il vous plaît. Tu veux quoi exactement? Je sais pas, vous, si vous avez quelque chose à régler ou des trucs, je sais pas, moi, c'est... Moi, je suis là, je suis l'homme de main. Bah, vous tombez bien. Écoutez, c'est parfait. Aujourd'hui, j'ai besoin de vous. Je vais vous passer un numéro et il va falloir que vous me retrouviez cette personne-là. D'accord. Vous ferez un petit peu mon homme de main. D'accord, ouais, expliquez-moi, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'il a fait. Voilà. Donnez-moi en fait, plus d'informations. J'ai acquis une villa pour l'anniversaire de mon fils. Mais il se trouve que les vrais propriétaires viennent d'arriver hier. Donc je suis un petit peu embêté, voyez-vous. Un escroc, quoi. Le salaud, putain, il vous a escroqué. Oui, tout à fait. Il va falloir retrouver cet individu et... Je dois le retrouver pour prouver mon efficacité, quoi. Oui. Écoutez, je vais chercher... Bah, attendez, j'ai son numéro. Oui, donnez-moi son numéro. Il m'a dit à 48-49. Et je vais l'envoyer un message en même temps. C'est 48-49 à la fin. C'est Bouaou. Ah. Ok, je note, tac, 48, 49, avez-vous un nom? Qu'est-ce qu'il y a? je crois que c'était monsieur Piquet, je crois. Piquet, ok, monsieur. Mais, amenez-moi bien dans un bon état. Mais... Piquet, hop. Piqué, voilà, 48, 49, 5, 7, 7. Ok, c'est bon, c'est noté. Oh. Wow, comment je vais faire? Ok, monsieur Piqué, je vais le retracer, vous inquiétez pas, je vous le ramène ici, c'est ça? Oui. Okay. Non, vous m'appelez une fois que vous l'avez. Surtout pas ici, ne me le ramenez pas ici. Pas de soucis, je vais faire ça, maintenant. Merci beaucoup, monsieur. Oui. Avez-vous une voiture un peu plus discrète? Non, je n'ai pas ça... D'accord, on va se démerder, vous inquiétez pas. Allez, oui. On y va. Ok, vas-y. Il me fait peur. Waouh, c'est la merde. Aïe, aïe, aïe. What? C'est la merde, là. Attends, viens. On va le trouver, ce Piqué. T'inquiète pas, j'ai une idée. Tu vois, Liam ? On va lui forcer à mettre une barbe, tu vois ce que je veux dire ? On va se servir de lui. Ah ouais. Bien vu. Ok ? On va l'obliger. Mais attends, mais de toute façon, il a dit faut pas qu'il revienne là, non? Je sais pas. Il est en formation, attends, merde. Qu'il se déséforme là, c'est bon. Quand on a besoin, il est pas là, là. Vas-y, prends ton flingue dans le boîte à gants, là. Moi, j'avais juste un flingue, moi, les gars. Faut que je me reprends le flingue. Pas besoin de Max, là. Ça va être chaud, là. Et t'as répondu? Oui. Il me dit qu'il est en formation. Soit on prend lui, soit on prend Karim. Je
C'est qui Karim? Je connais pas. Ah, Karim l'arabe vola, je sais pas quoi là. J'ai. Comme tu veux. Après, on va pas, on va leur dire de se faire passer pour cette personne. Ok, mais là, on est obligé de réparer nos erreurs, on n'a pas le choix. Je savais pas que moi, ce monsieur Duval, il bossait avec mon père, putain de merde. Putain, la boulette qu'on a fait, hein. Je vais voir si Karim, elle est dispo. Après, je le payerai. Mais par contre, s'il me demande de le tuer, je sais pas comment je vais faire. Tu le tuer? Mais non. Je sais pas, parce que le... Là, il est énervé, là, le Duval. Hein. C'est pas grave. Faire un plan, on va pour viser de toute façon. Il me dit, ah ouais, franchement, qui est les meilleurs? Wow, formation à l'SPD! Wow, Niam, il est en formation à l'SPD! Ah, Nico Mook maintenant, je travaille plus avec lui, moi. On va passer prendre Karim à l'hôpital, go. On va bien payer Karim, on va lui dire de jouer le jeu. Et s'il me demande de me tuer, je ferai genre de le tuer, je sais pas, mais on verra. On n'a pas le choix, frère. Ouais. Ah ouais, c'est la merde là, mon gars. Putain, je regardais le chat. Putain de merde. Dommage, on peut pas changer de carte SIM, putain. On a le temps pour la soirée, les gars. D'ailleurs, on va freeze le temps. La soirée, c'est pas en priorité. Oh. Il a l'air sympa quand même, le monsieur Duval. Hein. Même s'il m'aime pas. Ouais, mais il fait pas confiance, il a l'habitude de bosser que avec les flashs, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est un moukate, hein. Regarde qui est là, regarde qui est là, regarde qui est là. Toujours à l'hôpital cette folle. Elle va mettre des plaques là. Allez viens, on va aller voir. Oh, je coûte bien sa voiture. Est-ce qu'il l'a abîmé? Est-ce qu'il l'a abîmé? Est-ce qu'il a abîmé la voiture? Ça va, elle est propre. Allez viens. Putain, et pourtant moi j'ai 20 ans. Aaron. Ouais, ça va? Oui, ça va, j'étais chercher ma copine, elle était blessée par un jaguar. D'accord. Tu vas à la soirée là? Fais gaffe, hein. Oui. D'accord, habille-toi bien. Trop cool ça. Bah, ils ont dit que le dress code c'était tenue de plage, maillot de bain. Ah merde. Ok, ok. Ouais. Mais même maillot de bain manche longue. Vous avez besoin de quelque chose? D'accord. Monsieur là, promis. Ah, une pièce. Ouais. Et fais attention à toi avec le jaguar et tout ça. Toi aussi, Bal. T'inquiète, t'inquiète. Okay. Ouais, ça va toi, Karim? Ça va et toi? Ouais, viens, viens. J'ai besoin vas-y, de toi. T'inquiète. Ah oh, putain, non, pas eux, je suis recherché ça. Mais... Oh, on peut bouger vite parce que sinon je suis dans la merde. Ah, si, ouais, c'est parti en fait. Allez, on y va. Vas-y, vas-y. Oh, trop belle la voiture. Eh bah, si, t'es sérieux, tu me bosses bien ce soir. Ouais, fils de chien, t'attends pas que je rouvre la porte. T'inquiète, je vais être sérieux du fou, la mécanique, ça me connaît. Putain, elle est trop classe. Bon, Karim, écoute-moi bien. Oui. J'ai besoin de toi, d'accord? Il faut que ouais. T'apprends à parler comme moi, déjà. Écoute, j'ai fait un truc. Là, si vraiment on t'arrive, est-ce que tu veux te faire 15 000 $? Ah ouais, la chichoule. Ah là, tu m'as chauffé en 6 secondes. Attends, on va se poser ici. On va discuter ici. Vas-y. Vas-y, vas-y. Alors, tac. Oh, pourquoi j'ai mal à la tête là, ça commence à me suivre. Ouais, il a tout le temps mal à la tête ce connard. Oui. J'avais oublié ça. Oui. Ta voiture elle est ouverte? Ah ouais, là c'est hop. Hop, sa musique commence à me casser les oreilles. Alors. Bon, Karim. Écoute-moi bien. Si oui, tu fais bien oui. Le boulot. Ok, tout va bien se passer, ouais. T'auras beaucoup d'argent.
Pour l'instant, okay, on va sur une base de 15 000, mais si tu le fais plus correctement, t'auras beaucoup plus. Par contre, si tu parles... Okay. Tu te souviens de ce que je t'ai fait la dernière fois? Oui, oui, je me rappelle, si, c'est bon, c'est assez... Tu te souviens ou pas, Karim? Oui, oui, je me souviens, c'est bon. Tu te souviens bien? Oui. Mais ça marche pas. Ok. Bon, bah écoute-moi, viens ici, on va t'expliquer. Vas-y. Alors, le but est simple. Je vais te faire livrer à quelqu'un. Cette personne te veut du mal. Enfin, il me veut du mal, mais tu vas passer par tu vas te faire passer pour moi, ok? Ok. C'est compliqué l'histoire. Juste, il faut que tu mets la grande barbe et tu parles comme ça. Oui, darling, comment ça va? Un peu comme un coincé du cul. Est-ce que tu sais le faire? Il va demander. Darling, comment ça va? Voilà. Il va me demander de te buter, mais moi, je vais faire croire que je vais te buter. Mais je vais pas te buter. Ok. Ah, normal, j'ai pas d'âme, wesh. Et 15 000 pour ça là? Juste pour faire. Pour te m'aider. Attends, quoi? 15 000 pour t'imiter, pour faire toi. Ouais, c'est tout. Et si tu le fais bien, okay, t'auras beaucoup plus. Tout dépendra de toi. La base déjà, c'est 15 000, ok? Parce qu'en fait, c'est compliqué l'histoire. En fait, je sais pas comment t'expliquer l'histoire. Non, j'ai baisé. Moi, j'ai baisé la gueule de quelqu'un. Et la gueule. Cette personne que j'ai baisé, c'est un mec qui travaille avec mon père. Bref, c'est compliqué. Ne pose pas de questions, fais-le et tu seras bien payé. Ouais, t'inquiète, c'est bon. Pas de soucis, je suis chaud. Tu veux que je change ma compétition? Ok, Karim. Ouais, c'est bon. Ok, tu déconnes? Ouais, non, je déconne pas, t'inquiète, c'est bon. Non, je rigole. C'est bon. Allez. Moi, je suis pire là. Ouais. Allez, on va te préparer. J'ai enlevé le bonnet. Ouais, j'ai enlevé. Faut juste que tu mets la grande barbe. Tu vas t'habiller en costard. Allez, go. Vas-y. Et tu t'appelles Piqué. Tu t'appelles Piqué, d'accord? Il va te demander pourquoi tu l'as volé. Tu dis t'avais pas d'argent, tout ça, voilà, t'es pauvre. Tu fais ton pitié, il va sûrement me demander de te faire du mal. Mais t'inquiète, s'il me demande de te couper un doigt, je te repayerai un doigt après, t'inquiète. Ouais. Non, là, ça repousse, ça repousse. Ça repousse. Vas-y, oui, ça repousse, j'ai un antidote pour ça, t'inquiète. Ah bah aussi, tranquille alors, c'est bon, vas-y, coupe-moi. Bah oui. Gérard, piquer ton nom, ok? Franchement, ouais, si tu le fais ça bien, on pourra bosser vraiment ensemble, mec. Magasin vêtements là. Quoi. Par contre, ta gauche, il est très profond, hein, on entend même la télé. Ah, attends, c'est que je gagne. Je vais aller régler ça. D'accord. Tu penses que ça va marcher là? Il faut qu'il arrive bien à parler comme nous, comme on avait fait la dernière fois. Ouais. On croise les doigts, t'inquiète. J'ai la flemme d'utiliser mon kit, les gars. Excusez-moi, c'est bon. Hein. Il est bugué, mon kit. La fête, frère, ouais, la travail avant tout. Après le boulot, la fête, ok? Ferme la porte, wesh. Après l'effort, le réconfort. Écoute, t'aimerais avoir un truc comme ça? Je t'entends plus, wesh. J'avais oublié ce problème avec lui, on va galérer, hein. Ah ouais, non, c'est bon, non, en fait, c'est juste que j'avais pas activé ma gorge, là, j'avais... Comment ça, activé ta gorge? En gros, que j'avais pas... J'avais la bouche fermée. Tu manges trop de cabots, toi, non? Ah ouais. Tu manges beaucoup de cabots? Ouais. C'est quoi du cabot? T'inquiète, tu manges ou pas? Ouais, je mange. D'accord. Ça se voit. Ça se sent. Bon, habille-toi un peu en costard comme moi, d'accord? T'inquiète, j'ai un costard, tu prends. Pourquoi tu prends ton téléphone là? Mais là, c'est en fait, ça m'a appelé et du coup, j'ai sorti. Et là, je te fais confiance là? Oui, t'inquiète, franchement, t'inquiète pas. Allez. Hop. Oh là, c'est bon comme ça? Ouais, parfait. Enlève ton téléphone. Ok. Ouais, mais en fait, j'ai un spasme de fou. Ouais, là, c'est bon. Ok, parfait. Maintenant, tu vas mettre. Je vais mettre une perruque aussi, hein. Ouais, et tu vas mettre. Ici, barbe, dans. Barbe. C'est ici, ça? Dans la barbe. Non, les colliers, c'est là-bas. D'ailleurs. Va regarder. Tu cherches dans les colliers la fausse barbe. La fausse. Ok. Tu verras. Il va t'aider.
Habite aussi, Balt. Voilà, cherche le collier. On avait quelle coiffure? Voilà. Ouais, Laetitia. Ouais, parfait. Vous avez pas si c'est code du lire et truc comme ça? Je vous lirai après, truc, question. Putain, attends, bouge pas. Il gratte l'argent. Il est vraiment pauvre. Hein. Allez. Allez, merci. J'avais quoi? J'avais chapeau? Avec un chapeau, là, quel chapeau j'avais, moi? Du chapeau, c'est là-bas, là. Mais le chapeau, on s'en fout de ta coiffe. Mets juste le chapeau. Ok. Il va pas te reconnaître, là, t'inquiète. Tu parles comme ça, darling, monsieur. Ok, comme si, après, tu sais. Voilà. Voilà, bon. C'est bon? Voilà, parfait. T'as de l'argent? T'as de l'argent ou pas? Putain, ouais. Ouais, je suis pauvre. C'est pour ça que moi, voler, il vole, hein. Ouais, bah ouais, c'est arabe. Allez. Parce que je peux plus avoir de boulot en fait, c'est ça le problème. T'inquiète, on va trop faire là. Bosse bien et tout ira bien. Mets des lunettes aussi au cas où. Des lunettes? Ouais, ouais. Des Ray-Ban, c'est ici. Non? Ouais, redonne-le de l'argent. Hein. Non, je l'ai donné assez là. Ouais, là c'est. Ah ouais, ah, j'avais pas vu. Merci. C'est où les lunettes? Même à l'avant, je suis arrivé. C'est les ici. Les lunettes, ouais, je crois que c'est là. C'est là. Ici. Ok. Je mets des Ray-Ban, j'avais mis des Ray-Ban. Des Ray-Ban, ok. T'es vieux quand même, hein? La vieillesse, hein? Là, stop, retourne en arrière. Ah ouais, t'es déjà arrivé. Voilà, celle-là. Non, les Ray-Ban. Celle-là? Elle-là. Voilà. Ok. Change de couleur, mais blanc. Enfin, bleu. Enfin, qu'on voit pas tes yeux, quoi. Change, change. Change de couleur, je te attends, dis quoi, c'est bon. Ok. Ah ouais, je vais les changer. Ouais, je. Ouais, ça va le faire, là. On s'en fout, le chapeau pas. Ah, c'est bon, allez, go. Ah ouais, c'est bon. Bleu, là. Bleu comme ça, là. Allez, viens. C'est bleu comme ça. Parfait, elle vient. Ok. Monsieur Duval. C'est Aaron. Je l'ai retrouvé. Je suis avec son téléphone. Exagérez pas non plus. Non les gars, vous inquiétez pas. Ça vous a fait publier. Ça vous a fait flipper. Ah ah. Aaron, rappelle-moi mon prénom s'il te plaît. J'irai à piquer, d'accord. J'irai piquer, pas de soucis. T'auras un petit peu peur, hein, je t'ai volé tout, d'accord. Allez, on y va. On va aller un endroit tranquille. Oui. Attention. Merde. Ah, monsieur. Putain. Pourquoi, qui a cassé ma voiture encore là? Waouh, c'est fait ramasser par la voiture lui. Bon, oh putain. Tu l'as poussé, c'est fait ramasser par la voiture, putain. Ah putain, cette voiture. Attends. Même si j'ai un problème, ma voiture, attendez. Aïe aïe aïe. Allez, montez. Ok. Ok, du coup, j'irai repiquer. Il m'envoie le lieu. Putain, j'espère qu'il va pas le faire du mal. Dis-moi, Aaron, ça roule à combien ça? Je te montre quoi? Allez, 400 km/h. Ah. Ah ouais.
Ouais. Encore. Je suis en programme. Je suis en dinoche. Écoute Karim, je vais te mettre sur une fréquence de radio. 87. Ouais, écoute, je te laisse rentrer là, viens dessus. Au cas où c'est un problème, vas-y. Tu joues le jeu. Hein. Mais, Balti, mets ton masque pour être plus crédible. Vas-y. Fais gaffe, mais pourquoi pas, même s'il te menace, t'inquiète pas. Nya 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 nya. Pas envie de le faire du mal, Karim. Ouais, y'a Kylie, ouais, je sais. Non, parle pas sur la radio. Ouais, mauvais délire, y'a. Changeons de fréquence. 85. Vas-y. Ok. Merde, c'est un raccou aussi, ça. Ok, si vous me recevez? Yes. Oui. Ok, parfait. J'ai mis le bas, c'est bon. Après on aura une soirée. Tu seras invité. Ouais, celle de Nina là, elle m'a invité. Ah bon, invité, c'est bon ouais. Ah bah ça va, elle m'a invité. Si t'es encore en vie, bien sûr. Ah, je peux mourir là. Si tu meurs pour la bonne cause, ok, dis-toi ça. Mais j'ai pas envie de mourir moi. Je rigole. J'espère. Attends, t'inquiète, je trouverai toujours une solution. Mais faut que tu gardes ton sang-froid, d'accord? Tu nous connais pas. T'inquiète. En fait, t'as arnaqué, tu l'as vendu une villa. Ok, tu l'as vendu une villa qui appartenait déjà à quelqu'un. Mais tu dis que t'as fait ça parce que t'avais pas d'argent, ok? Tu dis que t'as perdu toute ta famille, tu fais ton pitié, d'accord? Avec la voix de Darling. Ok. Et tout ira bien. Je sais pas si. S'il demande de tuer. Eh ben, on le tuera, mais pas devant lui, on fera croix, tu vois. Au pire, t'as pas des balles à blanc, je sais pas, un truc comme toi. Paf, comme ça. Ouais. Il lui prend du ketchup, il met sur lui, tu vois. Ok. Du colorant. Ok, je vais. On va mettre des faux balles, ok? Mais pour cela, il faut passer à la mairie. Ah, tu en as? Vas-y, donne. Et trompe-toi pas, Garmin, s'il te plaît. Tu l'as? J'ai quoi? Non, j'ai pas de faux balles. D'accord, on va aller à la mairie et on va prendre un. Vite fait, des faux munitions. Parce qu'ils vendent des munitions. À blanc, et comme ça, après, s'il faut, on te tire dessus, tu fais le mort après, d'accord? Ouais, ok, pâtissier. Faut mettre une poche de champ après. Faut le tabasser un peu à la gueule pour voir qu'il est marqué, comme ça, on l'a galéré. Ouais, des fois, je vais te taper, hein, mais bon, résiste. Hein. Non, toi, même pas, tu le tapes, tu vas le finir. Non, pas lié, ouais, non. Merde! Moi, je vais le taper. Faut aller de l'autre côté avant. J'ai failli faire une connerie là. Des munitions à blanc. Papa, ça c'est du pilote. Oh là là. Vous avez vu ce drift les gars? Putain, ça me rappelle du bled comme tu conduis. On dirait mon garon. Quel bled? La Tunisie et le Maroc. J'ai essayé quelque chose, ça va pas passer. Aïe aïe aïe. Wow. Attendez-moi ici. Bala blanc. Ok, merci. Au revoir.
C'est bon, j'ai des balles à volant là. En bon, on fait les RP. Allez, go. Nico, j'irai repiquer. Allez, je prépare ma voix maintenant. Échauffe-toi toujours. Là, t'as peur là. Fais comme si t'as peur. Toi, fils de pute, là, je vais te niquer. T'as cru que tu arnaques mon boss comme ça? T'as cru que t'arnaques mon boss comme ça? S'il vous plaît, c'est bon. Arrêtez de crier, s'il vous plaît. Oui, voilà. C'est bon comme ça? Oui, surtout faut pas rigoler. De toute façon, lui, il va pas rigoler. Nous, on rigole, mais lui, il rigolera pas, lui. Ouais. Laissez-moi se concentrer. Sors, connard. Oh, mais c'est bon, arrêtez. S'il vous plaît, monsieur. Foutez-le-moi à l'arrière. Putain. Comment? Vous me le foutez à l'arrière. On vient avec vous? On monte avec vous? Non. On va vous aider parce que, vous savez, c'est un homme un peu filou, il est dangereux. Non, tout seul. Allez, plus vite que ça, dans le coffre. Allez, vas-y. Ok. Monte à l'intérieur. Ouais, c'est bon, je monte. Dépêche-toi. Ouais, c'est bon. Et du coup? Wesh. On va le suivre. Vite. Roule. Envoie-moi à chaque fois ta pause, ok? On te suit. Parle pas, mais écoute-moi. T'inquiète pas, on te suit, on te lâche pas, ok? Tiens! Ah ouais, putain, c'était pas prévu ça. Ça va être chaud là, mec. On est avec toi, Karim. Juste, fais un peu ton pitié, t'inquiète, tout va bien se passer. Merci à Jean X. Envoie toujours un peu là, comme ça j'ai un peu ta position, je prends de l'avance, même si tu roules. Envoie plusieurs fois. Ouais, il va se passer pas mieux maintenant. Ok, c'est bon, stop, je te vois. Il est bien passé par ici, hein, j'ai vu un camion. Quand tu changes de direction, tu m'envoies. Hein. Renvoie un coup là. J'étais perdu là. J'ai pas vu moi. C'est bon, il est là. Doucement, coupe tes phares. J'aimerais bien couper, mais il y a les néons. Ah ouais, j'ai... Noachi, la victime. Qui ça encore? Merci à Jean-X.
Ouais, ça Jean X, merci frérot. Dis-lui de m'envoyer sa pause. Envoie ta pause. Ouais, c'est près de mon village. Ah Jean-Yves, qu'est-ce qui t'arrive? Merci frérot. Fais chier. Dis-lui de t'envoyer aussi plutôt à toi parce que moi je conduis là. Envoie-moi ta pause à chaque fois. Parce que dis-lui que moi je conduis. Parce que lui il est conduit. C'est qui ça? Ça, c'est chiant. Parce que là c'est chiant, chaque fois j'arrête, je mets la pause. Je mis la pause. Ok, ok. Je vais là au moins je peux la rattraper, tu vois. Continue. Merci beaucoup agent X. Merci frérot. Pause là. Plus vite là. C'est ça la dernière pause. Ok. De la cabane à mettre level sûrement. Non mais sûrement mettre level, il habite plus ici hein. Peut-être mettre level, il habite plus ici, il y a 18 ans qui est passé les gars. C'est la dernière, t'es sûr? Ouais. Allez viens, mets-toi accroupi hein. Merci à Jean X, merci poteau. Comment je vais faire là? Je les vois là. Il a laissé en vie.
Il l'a laissé en vie. Ah, il m'a tiré sur la jambe. Ah, ça va, c'est juste une balle, t'as eu alors? Dans la jambe? Ouais, mais ça fait mal. Putain, il t'a laissé en vie. On arrive, on voit ta pose. Ouais, ouais, attends, je me mets un peu loin pour pas qu'il vous crame. Hop là, merci à Jean-X. Tu m'entends? J'ai entendu que ça a tiré là. J'en vois ou pas? T'es où? Je t'envoie, attends, je t'envoie la pose. J'ai volé son tel vu que j'en en avais pas. Mission accomplie. On y va dans la voiture. Ouais, on va lui donner 50. T'as dit quoi? Oh! Oh merde! Oh là, je peux rien faire. Désolé. Il a vu ma voiture. Putain. Ça tire, vous allez bien? Ouais, c'est moi, j'étais obligé, putain, comment je vais expliquer ça, du vol? Tu dis que c'est moi. Ah mais ça va, c'était une balle à blanc. Donc là, ça l'a juste saoulé, là. Tu te casses vite, alors. Viens, on se casse vite. Je vais effacer, attends. Hop, je prends son téléphone, j'efface tout. Que ça avait des balles à blanc. En fait, c'est un peu comme un flashball et ça le saoule simplement. Hop. Voilà. Il faut tout effacer. Allez, vite, on se casse. C'est bon, on n'a pas tué là. J'ai pas encore fait de mort là, les gars. Balle, j'ai pas de voiture. Hein. Il était là et j'ai pas pu. C'est bon, on arrive. On est là. Vas-y, j'arrive. Il est en bas. Putain! Tu veux quoi? Go, vite. Et pourquoi? Ouais. Ah ouais, j'ai oublié de freeze le soir. Putain, j'ai freeze. Excusez-moi, les gars. T'as eu combien de balles? 2 balles. Parfait. Et on te dépose, tu vas te changer et nous on va récupérer notre argent quand même. Oui. Du coup, je vais te donner un petit truc après là qu'on arrive là-bas. T'inquiète pas. Et putain de merde. Comment on va faire? Ah putain, attends, tu veux pas du vélo? Putain de merde! Casse les couilles là! Ah. Oh! Ça va? Bon, heureusement qu'il a rien vu. C'est bon, il a rien vu. Hop, allez, viens avec moi, hop. Ça va, c'est bon? Vite, on y va! Le karma. Il est où ce connard? Où est-ce qu'il est? Il a bugué, je crois. Allez, monte là! Qu'est-ce que tu fais? Je te dépose à l'hôpital plutôt, tu vas en retirer la balle, ok? Vas-y. Essaie de compresser la balle là, Balta. Mets un bandage et tout là, essaie de toujours. Bouge pas. Ouais. Tiens, je serre là, je fais un garrot. Ouais.
c'est bon, la balle a traversé. Oui les gars, on arrive, on va aller à la fête, chaque chose en son temps. Faut juste faire un garrot, t'inquiète, ça passe après. Attends, je sais un peu. Arrivé là-bas, je te donne ton argent. Tu regardes avec l'hôpital si tout va bien, ok? Voilà, c'est bon là, t'inquiète, ça va résister jusqu'à l'hôpital là. Ok, merci, tu gères. Ouais. Enlève ton masque. La route à faire, elle a fait chier. Après, on va à la soirée avec Nina. Putain, on n'a pas réussi à voler son bateau. Excellent boulot, en tout cas, Karim. Franchement, je suis fier de toi. Petit, si j'avoue, elle a géré. T'as gardé ton calme, tu me l'as pas poucave, t'étais prêt. T'as pris des risques pour moi et ça, je. Ça, franchement, ça me touche, ça. Tu sais, ça me touche vraiment et ça, j'oublierai jamais. Deux balles aussi, il a pris. T'as pris deux balles pour moi. Et aussi, tu m'as chuté avec ta voiture. Si, tu. Voilà. Ça durcit, t'inquiète. Oui, les chiens qui deviennent encore plus énervables. Moi, j'ai lâché, sortez. Lui, bienvenue à toi, frérot. Lui, merci. Ah. Je fais le plein. Au moins, là, dans l'essence, là, t'inquiète même pas. Voilà, il est plein. Il a fait de la merde, il a fait des réparations en même temps que moi. Karim, après tu nous rejoins à la fête, ok? Ça a déjà commencé un bout de temps. Mais eux aussi, ils commencent une fête. Fils de... Putain de... Ah, c'est bon, je me casse. Ouais, je te disais. Ah, il commence tôt, oui. La soirée aussi, tu vois. Ouais. Tranquille, on dirait après, tu vas essayer de gérer pas du tout. On taffe, nous. En même temps, cette connasse de Nina, elle a rien à faire, comme je te dis. À part faire la fête, elle fait quoi d'autre? Tout le temps, elle fait des fêtes, elle monte sa fortune, tout le monde. Là, elle m'invite sûrement pour. Pour. Voilà quoi. Bah, fais-toi plaisir en vrai. Bon, elle veut juste la péter. C'est le contraire d'un Michto. Mais ça sert à rien de montrer son argent comme ça, je comprends pas pourquoi il fait ça. Faut essayer de nous impressionner, mais bon, ça marchera pas, t'inquiète. Oui. Ah, c'était pas mal ce truc. Ouais, j'arrête pas de regarder le chat, fais chier. Faut que j'arrête, je me concentre. Ah ouais, freestyle, bien vu. Regarde un peu le chat là, je profite, tu vois. C'est une soirée privée en plus et moi je suis en retard. En plus c'est une soirée privée, putain. Elle va me dire putain, la prochaine fois on t'invite plus. Viens vite. Sors. Oui, c'est bon, voilà. Viens. Oh gros connard.
Viens, attends, viens, je te donne ton truc. Prends ce sac, mets de ton caleçon. J'ai trop mal ou quoi? Viens en face de moi, viens en face de moi. Ouais, vas-y. Je mets dans mon caleçon. Allez. Wow. On parle pas chinois, nous. Allez, on y va. Oh, la tigire. Tu as donné combien? 50 000. Ah, ça le refait, là. Oui, c'est tout ça un clochard, tu vois. Pris 2 balles pour 50 000. Qatar, prépare-moi la, tu sais, la musique que t'avais, tu m'avais envoyée, jazz, là. Pour la soirée, là. Prépare-moi ça, toujours. On doit s'habiller comment? En maillot de bain? Ouais. Mais on s'habille bien et après on enlève, hein. Faut pas les voir du vol avant. Attends, je vais voir ça. On ira après au pire. Hop. Mets un maillot de bain sous ton truc. Je vais changer un peu moi, tout le temps je mets le même. Ouais, j'aime pas mettre les maillots de bain moi. Aaron, c'est pas son truc. Putain, pardon. Relève-toi, c'est beau. J'aime pas mettre les maillots de bain, je vous jure. Ah, Jean-X, merci frérot. Oh là là. Moi je reste comme ça, moi tranquille. Ouais, c'est lent, wesh, allez là. Lyon, ça marche pas, ça me fait une coupe de merde. Ah, je vais m'habiller en noir. Ah, s'en fout, voilà. Ça change un peu. Attends, je vois juste. Mon maillot de bain, c'est quoi? C'est pas un maillot de bain, ça. Oui, c'est pas un maillot de bain, ça. Ouais, j'ai pas envie de baigner, moi, wesh. J'ai pas envie de... Eh, ouais, ça me va pas, wesh. Ouais, j'ai pas envie de mettre en maillot de bain, moi, wesh. Eh, c'est bah, bon, je reste comme ça, moi. De toute façon, je vais pas me baigner, je vais aller juste m'apprécier, c'est tout, hein. Va prendre du repos. Merci. C'est au même endroit que la dernière fois. On y va. Vas-y, go. Ouais, Aaron. Ta voiture, on va Aaron, c'est un mec classe, Aaron. C'est un mec qui se met pas en maillot de bain comme ça, wesh. C'est un businessman, Aaron. T'as cru que c'était Ken? T'as cru que j'allais marcher en caleçon, en maillot de bain, wesh, oh. Ouais, ben moi je suis là-bas, moi, après, ok. Putain, pourquoi j'ai passé dans la petite route, là, putain. Ouais, Kata, attends, quand je te dis de me l'envoyer, tu me le donnes, hein, quand on arrive là-bas. Fallait un shot, je m'en fous, moi. Darren officiel, merci frérot.
Agent X, merci aussi à toi, poteau. Il est chaud, Agent X. C'est encore sur le yacht, là? Le yacht? Ouais, apparemment, c'est une thème de plage, mais bon, oh, c'est bon. Tu penses qu'on va beaucoup travailler avec Monsieur Duval ou pas? Je sais pas, on verra, mais là, à mon avis, on a marqué des points, noirs. Ouais. Ah, si mon père sait ce que j'ai fait à Duval. Oh là là, il va m'engueuler, hein. Il va me niquer, hein. Je l'ai arnaqué et tout, putain, ça fait pas. Il est blindé, lui, c'est bon. Du coup, l'autre s'est fait virer la maison. Ouais, l'autre s'est fait virer de sa maison. Oh, dommage, putain, il fallait voir ça. Ah, mais les riches, ils font trop confiance facilement, tu vois. Ils ont trop d'argent, ouais, ils s'en battent pas les d'argent, couilles. Hein. Ils ont pas d'argent à perdre, des fois, tu vois. Perdre un million, Iron, 2 millions, 3 millions, non, c'est pas que c'est un coincé, c'est qu'il s'en bat les couilles des meufs, tout ça, tu vois. Enfin, il aime les meufs, oui, c'est sûr, mais il prendra pas n'importe qui, tu vois. Ou sinon, il couchera juste pour le business, hein. Non, il a pas encore Ken, il est puceau encore. Il a pas encore Ken. Ken aurait déjà Ken. Ah oui, Ken. De toute façon, on pense Ken aurait déjà tout niqué, lui. Il aurait déjà niqué au moins 4-5 meufs. De quoi? Après cette soirée, hein, y a plus grand chose à faire là, non? Là, on va se poser un peu, hein. On a bien travaillé aujourd'hui. Hein. Ouais, moi aussi, je vais rester un peu après, je vais m'endormir là. Trop travaillé aujourd'hui là. Ok, ok, ok. Ouais, reste un peu, hein. Ouais, je vais manger la bouffe avant. J'ai dit Nani Kawal, laisser un peu la bouffe. Déjà, elle va t'engueuler parce que c'est toi qui dois organiser. Avec elle, apparemment. Ouais, elle m'a mis mon nom. Ouais, tranquille. Moi, je gagne du point, comme ça. Moi, je vais arriver là-bas, je dis, ah ouais, on n'attend pas l'organisateur, ça commence la soirée. Oh, joli drift là. En fait, depuis ces derniers temps, je m'entraîne beaucoup au drift, les gars, vous avez vu? Vous avez remarqué? Mais il faut passer par ici. Il y a quand même du moon, hein. T'es espèce de connard, tu peux pas attendre que je me gare? Désolé. On va réparer la voiture. Et on va faire bip bip. Merci JL Nani. Michto Nina. Tu veux que je le michto? Eh, fou quoi. Le jet ski là. Va chercher. T'as cru que je vais me mouiller? Envoie. Envoie encore, recule. C'est bon, avance. Recule. Voilà. Tu cru que je vais me mouiller ou quoi? Allez, go. Ouais. Allez, on voit la musique! Kata! Toujours rêvé fait du jet ski! On voit la musique! Allez, oublie pas Kata! Prendre un cristal pour Mouloud! Ouais, on va voler, t'inquiète! Ouais, j'ai fouillé aussi, t'inquiète! Merci Kata!
Elle met en favori aussi celle-là. Ah. Vas-y. Oh putain, je me suis mouillé. Oh non. Ah. Pas ici. C'est bon. Ouais, j'attends moi, Kona. Ça va. Ah ouais, ils sont tous là. C'est ici qu'il y a une soirée. Ouais, c'est ici. Ouais. Excusez-nous du retard. Ouais, ça se passe en haut là, où tu pars. Ah, en haut, d'accord. Bonne soirée. Ouais, bonne soirée. Ouais, merci. Ouais, c'est quoi ce bébé? Austin, on va faire dodo. C'est quoi ce bébé? Allez, viens, c'est mon fils. Ouais. Ah, d'accord. Waouh. Désolé. Y'a pas de quoi? Ah, c'est vous que j'avais sauvé la vie une fois? Ouais. Ouais. C'est quoi ça? C'est un peignoir? Petit poney. Ouais. Y'a rien dessous. Ça vous regarde pas ça, monsieur? Très clairement. Non, parce que je vois que ça pointe là, tu vois. Bref. Quoi? Non mais je vous permets pas de regarder en fait. Mais je regarde pas, je vous dis juste, faites attention. Non mais... Mettez un soutif. Non mais c'est une soirée à thème, c'est une soirée à thème plage. Donc ouais. Choisissez un maillot de bain et... Ouais, j'ai mon maillot de bain dessous, hein. Vous inquiétez pas. Ok. Ben vous avez une salle de bain là et... Vous avez quel âge sinon? 20 ans. Non, c'est impossible. Pourquoi? C'est impossible. Pourquoi? Rappelez ton gosse. Ok. Pour lui. C'est pas grave, je vais aller chercher. Oh là là. Ah. Ouais. Allez, on y va. Ouais. Bébé démoniaque. J'en peux plus de chocolat. Grécia. Oh Dédé. Va pas à tes tailles, la paix coule, la bizarre, tes regrets dans ton bébé. Chors de chez toi, je reprends ta voiture. C'est vraiment un moukat ce Grécia. Je recherche un billet, des affaires, des plans dans la planque, un peu trop peiné. Aïe aïe aïe. Il va bouffer le bébé, Gracia. Oh, Baldassar. Ah. J'ai envie de pisser, les gars. Je vais aller. Ça va être une pause de pisser là après. Il y a Drake. Drake, il est où? Comment ça, il y a Drake? C'est mon cousin, IRL. Ouais, bah, tu restes sage. Ah! Oh, je vais danser! Oh putain! C'est qui? Comment? Bonsoir, monsieur! Ouais, bonsoir! Vous souhaitez boire quelque chose, monsieur? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? C'est pas prêt! Un truc sans alcool! D'accord! Je m'occupe de ça, je vais faire un cocktail sans alcool! Et un cocktail pour moi! Je vais me faire mute! Oh putain, voilà, là, c'est pour vous. Ah, on passer un bon moment. Attendez, les gars, j'en peux plus, il faut que je vais pisser. Faut que je vais pisser là. Oh, vous savez, arrivé à cette heure-ci, j'ai envie de pisser, tu sais. En ce moment, je bois beaucoup avec le sport, etc. etc. Vous voyez? Donc, il faut que je pisse. Bon, dites-moi si tout va bien, hein. J'arrive là. S'il y a quelqu'un qui vient me voir, vous me dites, hein.
ils vont me parler, je vais pas répondre. Boum tam tam, tu profites pas ou quoi? Non? Ok, t'es bon. Pas ça. Ça. Ah. Pourquoi vous rigolez? Pourquoi vous rigolez? Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi tout! Racontez-moi tout! Il y avait quoi, les gars? Oh! Oh! Tu fais? Mais il y a une salissure contre le mur là, c'est n'importe quoi, faut nettoyer ça. Qu'est-ce que tu fais là? Ah frérot, j'avais pas vu que t'étais. Vas-y, là. Tu peux te mettre un. Tous les autres ils ont un peignoir et toi pourquoi tu mets pas de peignoir? Eh ben elle me l'a jeté dans l'eau. Bah va la récupérer, demande-la à une autre. Abby, c'est Abby, elle m'a jeté mon peignoir dans l'eau. Eh ben tu lui as demandé un autre. Mais sinon j'étais avec un peignoir depuis tout à l'heure, hein. J'étais très calme. Ok. Oui. Vas-y. J'arrive. Oui, je vais aller chercher un peignoir. Je vais aller chercher un peignoir. Ça va. Comment t'es shooté, toi? Quoi? Mais n'importe quoi, toi. Ça pue l'alcool, frérot. Ah, c'est un fou, là. Tu pourras plus conduire Tu pourras plus conduire la Mercedes après, hein, de cet état. Danse nu. T'es shooté. Moi, c'est beau, moi, je mets pas. T'es shooté. Ouais, oui, trop bon. Shooté. Même pas mal, t'es shooté. Ah, pas mal cette télé, hein. Torse nu. Pas pour l'instant, les gars. Wesh. Ouais. Je vais partir, moi. Wesh, tu m'abandonnes, connard? Bah, y'a plus rien à faire, non? Ouais, va te reposer, alors. C'est pas, j'apprécie un peu. J'ai mal de tête. Vas-y, va te reposer, alors. Demain, de toute façon. Ouais, t'inquiète. Bip. Bonne nuit. Allez, bonne soirée. Ça va, ce peignoir? De quoi? J'ai mis un peignoir, là. Ouais. Je peux pas le truquer en fait. Je sais pas si t'as compris. Oui, t'inquiète. C'est bien. Merci. C'est très bien. J'allais danser. Et, c'est très bien. Ouais, vas-y, danse. Tu t'es pas mis en maillot de bain, toi? Non, moi ça ira, moi c'est bon, t'inquiète. Je vais danser avec le bébé. Pécho. Si c'était Ken, il aurait été sur la piste, tu vois. Mais Aaron, il est pas comme ça, vous voyez. Il danse pas, il est là, il vient, il regarde. Il y a un mec qui tue des gens. Il y a un mec qui tue des gens. Il y a quoi? Il y a un gars avec une machette. Ça, c'est grincien, ça. Quoi?
Non, mais je me barre d'ici, moi. Je reste avec toi. Mais non, c'est rien, ça, t'inquiète. T'es sûr? Parce qu'ils ont l'air de tous paniquer. Mais non, t'inquiète. Ouais, bah... Ouais. Bah, la soirée est annulée. Marlon, viens près de moi, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe, là? Viens près de moi, des pères. Apparemment, il y a quelqu'un qui est avec une hache et qui tue les gens. Ouais, apparemment, il y a quelqu'un avec une hache. Mais non, c'est un prank, ça. Ah, je suis désolé, je suis DJ, mais moi, je me barre, hein, s'il y a ça. Non, non, c'est pas un prank, j'ai entendu des histoires comme ça en ville. Moi, j'en ai vu des trucs, hein. Non, non, mais si quelqu'un le dit, c'est qu'elle a pas inventé, tu vois, c'est pas pour. Ok, on va aller voir. Moi, je suis le gars, là. Ah, par contre, le bébé là, le bébé. Chopez-le. Le bébé est plus chaud. Pardon, monsieur. C'est quelqu'un. Attends, je reviens dedans. Elle lui court après là. Ah, y'a Perse. Mais je vois, y'a rien. Je sais pas, y'a rien là. Je peux la soigner, Tu peux la soigner? Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Justement, ouais, c'est pas. T'en écoute, t'en écoute. Et il est parti là, Lina? Elle va bien au moins? Bah, elle va parce bien. Parce que s'il est encore sur le bateau. Qui s'est fait attaquer? Tu sais ce qui s'est passé exactement? Où il l'a tapé, tout ça? Je sais pas, je me suis assommé. Regarde l'autre là-bas. Je t'ai assommé aussi. En fait, je les ai vus. Ils étaient là, donc je suis parti chercher les autres, tu vois. Que je comptais partir. Ils étaient plusieurs? Non, il y avait qu'un mec. Ça va? Maddy? Ça va ou t'as pas? T'as mal ou pas? T'as mal où? Oh, Maddy. Ça va, calme-toi, Nina. T'inquiète pas. Oh, tu joues elle, la victime, putain. Putain, le vieux sur mon dos. Je crois qu'il faut que je l'aille, putain. Il va pas mal, Maddy. Si, mais... Ma soeur, elle est là. Ne laisse pas la place à la panique. J'étais médecin, donc je peux faire un truc, mais le problème c'est, est-ce que vous avez du matériel ici? Je veux dire à tout le monde de moi. Nina, t'as du matériel? La soirée est partie en couille. Dans les salles de bain. Quelque chose pour faire des points de suture, vous avez? Ouais, dans la salle de bain, il y a. C'est pas grave, elle est habituelle. Tu sais quoi? Compresse la plaie ici. Je suis pas médecin, moi. Quoi? Ouais, d'accord. On fait quoi? Attends, je vais appuyer un peu, ma vie, d'accord? Oui. J'appuie. Ça va? Ça fait pas trop mal, ça va? Le problème, c'est si le vieux il est encore sur le bateau, c'est ça? Est-ce que ça marche? Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Je vais la faire avec elle, parce que là, oui, c'est la personne se vide de son sang! Reste avec elle, aide Kelly! Attends, ma copine, j'attends. Tout le temps, c'est la victime, elle! Elles vont arriver. Elle est habituée, c'est beau! Elle va faire des points de suture. Arrêtez! Un bateau là, parce que je vais l'emmener à l'hôpital s'il faut. Non, mais Alison, elle va la. C'est bon, Kaylee, reste avec moi. Il y a les médecins qui vont s'occuper d'elle. Non, c'est moi, Kaylee. Maddy. Réponds-moi, Maddy. Maddy. Elle part un peu de sang, t'inquiète. Extrême, tu nous as lâchés. T'inquiète-moi. Réponds, Maddy. C'est pas 87, les gars? Bon pour nous, ça a l'air bon. RAS, hein, on a fouillé partout. RAS, qu'est-ce qui se passe? T'es fait agresser par le mec. On a un bateau qui est disponible pour. Vas-y, foutaille l'hôpital là. Mal de tête. Ah, ok, bah ouais, faut reposer un peu. T'as raison, faut pas forcer. Non, t'inquiète pas, va bien aller mieux. Vous l'avez dit ou pas? Non, mais 87, c'est où y'a Kaylee? 85, on a changé tout à l'heure. Qui lui, il a le chauve? On va lui faire un petit bandage. Bonjour monsieur, vous allez bien?
Là, je fais avec ce que j'ai. Oui, ça va. Il faudra aller à l'hôpital pour voir comment si ça ne respecte pas. Moi, ça va. Ouais. Je m'appelle Vito. Et vous? Moi, c'est Aaron. Enchanté, Aaron. On a une belle vue ici. Vito. C'est vrai. La soirée, on peut pas s'annuler. On peut pas faire des bon. Bon, je sais pas, moi. Bonsoir. Je sais pas du tout. Moi, j'ai... Ah, parce que si c'est un tueur, moi je me barre, hein, DJ ou pas, je nage, je pars là-bas à la nage. Hein. Mais non, elle a halluciné, à mon avis. Non, mais. Je crois vraiment qu'il y a un vieux tueur. Toi, ça se voit que ça, c'est une folle, elle est prête à tout pour avoir de l'argent, je la connais, moi, ce genre de meuf. Ah ouais? Ah ouais, je la connais. Dites pas ça. Ah si, c'est une mytho. Pourquoi elle est en sang comme ça? C'est une mytho ou tout, hein. Ah pourquoi elle est en sang comme ça alors? C'est ses règles. Ah ouais? D'accord, ok. Elles sont fortes alors. Ah, ça, c'est l'effet de l'alcool, ça, je suis sûr. Ouais, elles sont tellement les bourrées. Les allusions, ouais. Tu sais, je l'ai vu, c'est pour ça que je suis parti appeler tout le monde. Oui, ça me saoule, à chaque fois que je fais un truc, ça va pas, putain, j'en ai marre. Mais non, c'est pas de ta faute. Parti. Oh, elle est où? Elle va pas bien, Nina, des fois. Hein. Nina mmh. Ouais, mais... Nina. Est-ce qu'il en face, le gars? Elle a besoin d'être un peu seule. Faut la chercher ou pas? Non, oh. Elle attend que ça, faut pas... Elle va où, Nina? Non, mais là, c'est pas possible. Là, bah, on sait pas, elle est partie dans l'eau. Maddy, je vais te porter, d'accord? Elle est partie à la nage, cette conne! Oh, la conne! C'est quoi le jet ski? Ouais, mais je vais pas y aller, moi, je suis pas un mec qui suit les meufs, moi! Putain, on va casser les couilles, les gars! Mais il faut que je vais en discret parce que j'ai pas envie de... qu'on me voit à la fois. Donnez-moi vite le nom du jet là. Vite le nom du jet. Putain, faut que j'enlève mes vêtements. Mon costume qui vaut cher là. Elle est où? Comment je vais la trouver moi? Je vois un truc blanc qui bouge là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Où? Vas-y, monte là, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas te couler, qu'est-ce qu'il y a? J'en ai marre, Aaron, putain, je suis saoulée. Mais quoi encore? Putain, je me suis fait agresser à ma fête, elle aussi. Mais va pas comme ça à la nage, y'a des requins, putain! On bat les couilles, on a plus rien à foutre là. Pourquoi t'es venu me chercher? Bah, on est amis, non? Je vais pas te laisser comme ça. Pas obligé. Tu vas où? Tu vas aller où? Viens, on va dans un endroit. Il faut qu'on trouve un endroit. Tu sais, comme la dernière fois, genre discret. Vas-y, viens. Putain, mais fais pas des trucs comme ça. T'abandonnes ta soirée comme ça? Mais non, elle, faut pas faire attention. Elle dit de la merde. Je la connais, elle. De quoi? C'est une amie. C'est une amie de ma sœur. C'est une michto. Quoi? Quoi, mais quoi? Elle dit de la merde de quoi? Je me suis fait agresser aussi. Toi aussi? Comment ça? Mais oui, tu vois. J'ai pas vu que mon peignoir il était en sang. Ah ouais. Mais t'es où? Attends, viens. Putain, vas-y, monte. Attends. Dans ma voiture, tu vois pas dans ma voiture là? Écoutez. Non. Ah merde. Tu vois pas? Bah attends. Ah, c'est celle-là? Ouais, mais y'a un problème, attends. Attends, monte pas tout de suite. Ok, on gueule pas. Il faut que je la fasse le truc là au moins. Attends. Écoute avant. Allez, monte. Quoi? Non, rien, vas-y, viens. Waouh. Comment tu t'es payé ça? Je t'ai déjà dit, je bosse beaucoup en ce moment. T'as mal où là? Oui, t'as blessé où? Au bras. Putain de merde. Attends. Tiens, prends. J'ai
Putain, ça coûte cher, putain, ma veste là. Tiens, prends. Mets-toi ou toi. Bon, attends, je te sers. Attends, bouge pas, hop. Serre, attends. Je fais un nœud. Voilà. Ça fait mal, fais attention. Putain, ma veste qui coûte 5 000 $, putain. Ouais. Je te rendrai tes sous, putain. Ouais, j'espère bien. Non, mais t'inquiète, c'est pas urgent. Ouais. Où est-ce que tu veux que je t'emmène? Un endroit tranquille, tu veux discuter un peu? Ah ouais, faut que je te dise des trucs. On n'a pas beaucoup de temps là. Ok, un endroit tranquille où on peut pas nous voir? Ouais, surtout. Attends, je regarde ça. Mets déjà ton téléphone en mode avion, s'il te plaît. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là? Dépêche-toi. Hey, tu vas me kidnapper ou quoi? T'es con, ça irait dans l'autre sens sinon. Allez, attends, hop, je le mets. Hop, je vais le mettre en silence, les gars. Ok. Bichetola. Vous êtes des fous, vous. Putain, ça part toujours en couille. Ouais, je vois ça, putain, à chaque fois que je viens, déjà, je suis arrivé en retard, je m'excuse, hein, tu sais. Je travaille beaucoup en ce moment, j'ai beaucoup de trucs à faire. La preuve, pour avoir une belle bagnole comme ça, il faut transpirer, hein. Je transpire beaucoup. Ouais, j'ai fini très tard aujourd'hui. Là, d'ailleurs, je viens juste de finir. Je suis venu direct. Je dis, vas-y, je peux pas te faire ça. Tu m'as invité. Putain, regarde, tu veux t'étendre et pour finir. Ouais, déjà que j'ai pas beaucoup d'amis. Et je dis, vas-y, faut que je vienne. Il y avait un vieux là. C'est le vieux qui nous a attaqué. Comment ça? Comment t'es sûr? Je sais pas, c'était un vieux. Il était habillé en noir là. Ouais, il était vraiment moche. J'ai eu juste le temps de le voir. Il l'a agressé et puis il m'a agressé. Et ouais. Voilà, là. Je sais pas où t'emmener là. Attends, faut que je trouve un endroit. Attention! Ah merde. Attends, je vais me garer, je vais chercher un endroit. T'as pas peur de monter avec des inconnus comme ça? À mon pote? On se connaît pas trop, non? Ah, c'est bon, commence pas à me casser les couilles, là, j'ai la tête à ça, non? On va à la maison de Trévo ou quoi? Tu sais, j'ai un endroit un petit peu paradisiaque. Je peux t'emmener là-bas, on pourra discuter. Écoute, je m'en fous tant qu'on parle. C'est une petite maison, tranquille. Je vais l'amener dans la maison de Prévent, c'est où les gars? C'est ici? Regarde qu'on ne suive pas, s'il te plaît. T'inquiète pas, on va être en sécurité. Surtout regarde s'il n'y a pas Attache ta ceinture. Ouais, je me suis attaché dès que je suis rentré, t'es con? Serre plus fort. Ok. Voilà. Oula, dessaie un peu. Oulala. Quoi? Oh, tes nichons, on dirait qu'ils vont exploser. Non, ils sont nouveaux en plus, attends. Quoi? Comment ça, nouveau? Hein? Tu les as refaits? Non. Allez, dis la vérité, c'est bon, on est potes maintenant, tu peux tout me dire. Tu sais, je vais pas te juger, hein. Tu fais ce que tu veux, hein. T'es le premier à me juger, connard. Bah. Je te juge pas, putain. Si tu me juges depuis le début. Qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que je te dis? Tu m'appelles. Ouais, avec ma richesse, tout ça, depuis le début. Arrête! Mais comprends un peu que voilà, c'est frustrant que t'arrêtes pas de te la péter, tu vois ce que je veux dire? Mais d'où je me la pète, espèce de connard! Tu te la pètes, tu regardes, pourquoi encore cette soirée? Regarde! T'invites des inconnus, mais des gens que tu connais même pas! Putain, elle a ramené des gens que je connaissais pas, ok, j'ai pété un câble au début de ma soirée, mais arrête de dire que je veux tout le temps me vanter, tu casses les couilles toi aussi! Putain, avec ta voiture, tu veux quoi toi? Moi je me la pète pas, c'est... Tu te la pètes pas? Quand tu Merci, t'as voiture, tu m'as dit quoi? Regarde. Bip bip, c'est ça? Mais c'est pour te montrer que j'avance, tu vois. Ouais, que t'avances, eh ben... Alors, moi je commence de rien, moi, putain. Toi, t'arrives, t'as déjà tout, tu vois ce que je veux dire? Mais après... Tu crois que je l'ai demandé? Mais non, mais... Je dis à mon père, vas-y, crève comme ça, au moins je prends tout ce que t'as. Mais je t'ai pas dit ça, je te dis juste... Mais tu réfléchis quand tu parles ou quoi? Je te dis juste que... Même si t'as eu tout ça, t'es pas obligé d'inviter tout le monde, faire ton... Tu sais, au début, là, dans ta maison, pourquoi tu t'es fait braquer? Là, avoue que t'as fait une erreur, là, à ce moment-là. Avoue! Oui, là, oui, mais là, j'ai fait une soirée tranquille, parce que les gens, après mais la preuve boulot, que non. La preuve que tu choisis mal tes potes, regarde, ils invitent n'importe qui, putain de merde. Non, c'est lui, ça que j'essaye de te faire comprendre. Il était pas censé être là, lui, je le connais pas. Eh ben, comment il savait qu'il y avait une soirée? C'est sûrement quelqu'un qui l'a invité, un infiltré, quelqu'un que tu fais confiance, mais à mon avis qui te met dans le cul. Putain, mais tu sais quoi, ça m'arrive tellement souvent ça, je m'en remets plus d'ailleurs. J'en ai marre qu'on me le foute dans le cul tout le temps.
Putain, y a que des fausses personnes, je te jure. C'est ça que j'essaie de te le dire, putain. Heureusement parce que les gens comme ça. Jamais je te ferai un truc comme ça. T'as pas intérêt parce que je te jure. Écoute-moi. Faut que t'arrêtes maintenant. Choisis bien tes potes, ok? Arrête de. Tu vois ce que je veux dire? Fais plus trop de. Même si. Là, t'as fait une soirée, ok, c'est privé, mais regarde. Regarde comment c'est parti. Il y a sûrement des gens qui. Qui sont là juste pour ton argent. Tu comprends? Que pour ton argent. Rien d'autre. Ouais, ouais, je vois. Ouais. T'as sans doute raison. Toujours raison. Moi, j'observe beaucoup, tu sais. Et je vois beaucoup de choses que tu peux pas le voir. Ouais. Mais que tu le verras bientôt et tu viendras me voir. Aaron, t'avais raison. Au fond, t'es pas quelqu'un de méchant. Mais je pense pas que tu sois quelqu'un de méchant, au fond. Enfin, t'es juste bizarre. Moi, bizarre? Oh. Mais n'importe quoi. Qu'est-ce que tu trouves bizarre, moi? Qu'est-ce que tu trouves bizarre? Bah, t'es sérieux, quoi? Bah, dis. Bah, je sais pas, t'as des trucs pas normaux. Bah, explique. Bah, je sais pas t'expliquer, il faut te voir pour comprendre aussi. Toi, tu te supportes tout le temps, donc normal pour toi, t'es normal. Mais dis-moi ce que tu trouves pas normal, putain. Tu veux pas le dire? Non, j'ai la flemme, là. C'est toi qui es bizarre, plutôt. Oh, ta tête, là. Tes faux seins, là. Mais ils sont... C'est bon. Ils sont quoi? Rien. Faut que t'arrêtes, putain. T'as pas besoin de tout ça, des chirurgiens, tout ça. T'es bien comme t'es. Après, tu vas me dire, ouais, c'est pour l'image, etc. Mais je sais que, voilà, t'as une réputation, tu vois, et t'as envie d'avoir une bonne image, mais bon. T'es pas obligé, tu vois. C'est comme ça que tu vas attirer les mauvaises personnes. Ouais, papa. Je suis pas ton père, hein. Bah, limite. J'ai pas assez d'argent pour être ton père. C'est lui qui t'a tout donné. Pourquoi tu essaies de. Frère, où est-ce que tu m'entends? Attends, ça va toi? Qu'est-ce qu'il y a, Kelly? Oh non, j'ai dû ramener ma copine à la nage, je suis épuisée là. Va j'ai la tête qui tourne. Rentre, amène-la en sécurité. Et sors de ce putain de bâton, je sais pas ce qui se passe là-bas, ok? Et laisse-la crever, cette connasse, on s'en fout, c'est une michto. Non! Je vais à l'hôpital! Tu traînes avec des michetots, tu vas finir comme elle, putain! Non, je vais juste l'amener à l'hôpital, c'est mon droit d'humain, tu vois, faut que je l'amène à l'hôpital, tu comprends? Ok, mais tu fais attention, ok? Oui, et toi aussi fais attention! Ouais, moi t'inquiète, je suis parti un petit peu me détendre là. T'es parti? Mais il y a ta voiture! Non, c'est pas ma voiture ça, t'inquiète. Ah, d'accord. C'est une illusion. Ok. Ouais. T'es au courant de toute façon. Ouais, vas-y. Désolé, c'était ma soeur. On est où là? Bah, on est à un endroit tranquille. Si vous voulez un endroit tranquille pour discuter, on va y aller. Quand je suis arrivé, j'ai commencé ici. Ah, c'est chez toi alors? C'est pas chez moi, c'est un endroit où je me cachais au début, quand je faisais mes entrées. Bref. T'aimes bien? Je suis obligé de répondre. Mais c'est juste pour discuter, on sortira d'ici après, t'inquiète. Tu m'as dit un endroit tranquille, non? Qui va venir ici? Personne. Bah nous. Ouais, mais pour discuter. Allez, 1, 2, 3. Ouais, j'ai oublié. Ça fait longtemps que je suis pas venu, putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Y'a un ours qui est venu ou quoi? Non mais au moins on est tranquille. Avant c'était pas comme ça, je te jure, c'était propre, c'était bien rangé. C'est quoi cette odeur? Je sais pas moi, y'a des clochards qui dorment ici à mon avis. C'est quoi ça, terre? Mais j'habite pas ici moi, putain, je te dis, tu m'as dit. J'ai pour des essais, putain, pourquoi tu m'emmènes ici? Mais au moins y'a personne qui va venir ici. Non. Arrête, tu vas pas faire. Tu vas pas commencer à faire ta délicate là, putain. Oh. C'est bon, c'est rien, il va pas te toucher. Non. Oh. Non, porte-moi, s'il te plaît, je vais péter les plombs, porte-moi. Putain. S'il te plaît, je t'en supplie. Ok, on va discuter dehors, là. Putain, tu casses les couilles.
Et les filles comme toi là, putain. On peur de se casser un ongle. Il y avait des cafards. Mais c'est quoi, c'est un cacafard, putain. T'as pas vu, il y en a partout au sol. Lâche-moi, putain. Lâche-moi, putain. Voilà. Ouais, vas-y, viens. Il y a quand même des voitures qui passent ici. Ok, on change d'endroit, c'est bon, putain. T'es cafard, putain, ça va pas te manger, putain. Tu fais 10 000 fois sa taille. Ouais, c'est ça, il suffit d'une seconde. Il monte entre tes jambes, il rentre à l'intérieur, tu fais quoi? Ou dans ton oreille, t'imagines? C'est pas de ma faute, hein, ou dans putain. Ta bouche. Ou autre part, même. Où? Rassure-moi, t'as une culotte. Oui. Ok, bah c'est bon, là, tout va bien. Où est-ce que je vais aller, les gars? T'as pas un endroit, toi? Attends, je vais regarder. Sinon, je connais une autre maison un peu plus... Mais bon, c'est encore en ruine, mais bon, au moins, ça peut le faire, c'est vers là-bas, là. Vas-y. Putain. Les cafards, putain. T'as pas une phobie, toi? Putain, j'ai la phobie des insectes aussi. Non, j'ai pas de phobie, je pense pas. Ouais. Quoi? Qu'est-ce que t'as? J'ai la phobie, tu sais très bien de quoi. Non? Non, mais t'inquiète. Mais dis-moi. De mon frère. Ah. Ouais. Quoi? Toi, t'as des choses à me dire, toi, non? Putain. C'est par rapport à lui? Oh putain, c'est pas beau. Il est revenu? On n'a pas beaucoup de temps. Comment ça, on n'a pas beaucoup de temps? Il m'a dit que j'avais 48 heures, dépêche-toi. Mais il est où, ce putain de villa, là? C'est bon, c'est là-bas. C'est un truc abandonné aussi. C'est pas grave, écoute, j'en ai rien à foutre. Ouais, il a un peu peur, il a peur de son frère, quoi, tu vois. Allez, viens. C'est une jolie villa, quand même, non? Il y a du potentiel. Je vais la retaper, là, t'inquiète. C'est en ruine, hein, putain. Hey, tu vas pas commencer à faire de la délicate, là, ok? Non, c'est bon, y'a pas d'insectes. T'es en train de râler après, ouais, je suis pas comme ça, moi, je suis pas une meuf oh, comme ça, non. Non, mais c'est bon, commence pas à... Oh, putain, mais à chaque fois, y'a un petit truc, tu casses les couilles, putain. Tu vas à un endroit tranquille, mais tu veux où? Tu vas aller où? Tout le monde connaît... Mais c'est où... bon, là. Ok, c'est bon, pourquoi tu râles, alors? Mais je râle pas. C'est toi qui crois que je râle, c'est toi ouais, qui mais t'as vu, temps, t'as vu la tête que t'as fait quand t'es rentré? T'as vu la gueule de l'endroit ou quoi? Ben voilà, tu vois. Putain. Non, attends, tu vas pas me dire que toi tu trouves ça beau quand même là. Commence pas à faire ton hypocrite. Moi je peux vivre dans un endroit comme ça, moi, comparé à toi. Bah, je peux. Toi, tu veux que du luxe. Très bien venir. Non? Comment ça, non? Non, je peux très bien venir. Ouais, c'est ça, ouais. Bref. Je vais fumer une clope, ça te dérange pas? Non. Allez, explique-moi. Putain, par où commencer? Bon, ta soeur t'a déjà expliqué quand je l'ai ramassé. Putain, j'ai la tête qui tourne. Ouais, déjà, je voulais te remercier pour ça. Ouais, une musique bref, qui va avec, là. C'est rien, c'est normal. Vraiment, elle avait appelé plein de gens, mais personne lui a répondu, sauf moi. Ok, vas-y. Ensuite, il était là. Et... Putain, comment je vais t'expliquer ça? C'était le jour de la Saint-Valentin, tu vois. Et...
J'étais avec ta sœur et puis tout d'un coup il m'envoie un message, il me dit vas-y fais-toi belle. Mmh. Ok. Parti me faire belle. Il m'a donné rendez-vous à un endroit. Oui. Vas-y, il parle. M'a donné 48 heures. Mais attends, c'est difficile aussi. Il m'a donné 48 heures pour te trouver et avoir des informations sur toi. On arrive à la fin des 48 heures. Ça veut dire qu'il va pas tarder à se manifester. Et j'ai rien. Et j'ai dit que j'avais rien sur toi et il faut... Oh, il veut que je sois sa femme et que je sois la mère de ses enfants. Wesh. Il m'a encore offert des corps. Oh putain, c'est n'importe quoi. J'ai l'impression d'être folle en te racontant ça, putain. Ce bâtard, il veut m'épouser. Il a dormi chez moi. C'est pas possible, putain de merde. Qu'est-ce qu'il il veut? Il a dormi chez moi. Je sais pourquoi il veut... Il veut se reproduire, c'est ça. Écoute-moi. Nina, tu dois pas le laisser faire ça. Parce que s'il se reproduit avec toi, il va devenir encore plus puissant. Il va faire encore plus de conneries. Tu dois t'éloigner de lui, putain de bordel de merde. Est-ce que tu t'as déménagé ou pas? Encore. Est-ce que t'as déménagé? Pas encore. Tu dois l'éviter, putain de merde. Mais j'ai beau l'éviter, il me retrouve à chaque fois. Et quand je lui réponds pas, il fait du mal à ta sœur ou tes inconnus. Je peux pas laisser faire ça, tu comprends? T'aimerais pas qu'il arrive quelque chose à ta sœur, non? Ah non. Tu préférerais que ce soit moi, non? J'ai jamais dit ça, putain. Je te souhaite pas du mal, au contraire, pas je t'ai dit... T'es devenu mon ami maintenant. Tu m'as confié des trucs. Mais qui me dit que là, t'es pas en train de me la mettre à l'envers? Pourquoi je serais en train de risquer ma putain de peau? Mais peut-être c'est un plan pour me la mettre dans le cul, putain. Peut-être t'es déjà mais avec lui. T'es vraiment con. Mais comprends-moi, putain de merde, tout le monde m'en veut. Mais c'est pas facile. Mais tu penses seule? Je sais pas quoi faire, il faut que je rentre dans son jeu, tu comprends? Il me tient, là. Il me tient. Il a déjà failli me tuer deux fois. Il m'a collé un gun sur la tempe, putain. La dernière fois que j'ai vécu ça, c'était... Quoi? Écoute, s'il veut venir à moi, s'il me veut, si c'est vraiment ça qu'il veut, je suis prêt. Je vais aller à lui. Non, t'es pas prêt. Tu l'as pas vu agir, je te jure, il est malade, Aaron. Malade comment? Explique-moi, qu'est-ce qu'il a fait exactement? Déjà, il fume tout le temps, sa tête, il fume tout le temps. Genre pas que la cigarette, il fume, il a une voix horrible. Horrible. T'as l'impression que c'est la mort qui vient te chercher à chaque fois qu'il te parle. Ouais. Je t'ai déjà dit qu'il avait des taches blanches sur son visage, non? Ouais, tu m'as parlé de taches. Il a des taches blanches. Il est toujours dans sa putain de Dodge de merde. Il veut tout le temps tuer tout le monde. Putain de merde. Il a tué tellement de personnes, Aaron. Mon père m'a dit que c'est pas le moment. Non, je te jure, je pense que c'est pas le moment non plus. Mais je peux pas le laisser vous faire du mal encore. Tu risques de mourir. Et même ma sœur. Non, je suis prête à rentrer dans son jeu. Il en saura rien. Mais j'ai besoin que tu m'aides. Mais t'es folle ou quoi? Je vais récolter des informations sur lui. Mais si elle couche avec toi et que t'es un enfant, putain de merde. C'est ça que tu comprends pas. Cet enfant qui sera dans ton ventre, ça va être le démon, putain. Il va prendre cet enfant, il va le faire du mal, il va prendre ce qu'il y a en lui et après il va le buter. Il est capable. Comment ça? Mais crois-moi, pilule, lui, il est pas con, lui, il trouvera un truc, hein. Je sais pas. Est-ce qu'il a vraiment l'air d'être con? Non. Oh non, pas du tout. Voilà donc. Il me force à l'embrasser, il me force à lui faire des câlins, il me force pour tout. Là, il va bientôt se pointer. Et j'ai rien sur toi, je sais pas quoi faire, il va sûrement me tuer, putain. Ouais. Mais je te veux pas de mal, tu m'as dit que
C'était la population qui était en danger. Je préfère sauver tout le monde qu'une personne, tu comprends? Bah, t'as vu. Je suis pas égoïste à ce point. Non, mais t'as vu de quoi il était capable? Mais. Non, il faut que je t'aide. Je peux pas te laisser tout seul dans ça. Je suis prête à t'aider aussi. Mais il faut que je peux vraiment te faire confiance. Sache. Vraiment. Putain, mais je te le promets que tu peux. Mais il faut que tu le dises à personne, je t'en supplie, parce que ma vie en dépend. Non, t'inquiète. S'il vient le savoir. Je donne pas 2 secondes de moi. T'inquiète pas, quand je vais le retrouver, lui, ce fils de pute. Même si là, je suis en train d'insulter mon père et tout, mais bon. Costa! Il faut que je... Connard, putain. Merci, Costa. Ça me dégoûte, mais il faut que je me force. Non, tu vas rien faire avec lui, ok? Je coucherai pas avec, c'est mort. Mais s'il t'oblige? Il peut pas m'obliger. Pas à ça, quand même. Ouais. Je dirais que j'ai mes règles ou un problème. À quoi que même avec... Putain, mais il s'en fout. Je sais, il s'en fout. La dernière fois, j'ai vomi, il voulait m'embrasser. Oh! Ouais. Merci, héros. Je sais pas quoi penser, là, putain de merde. Ça commence à m'énerver, tout ça. Il faut... Laisse-moi trouver ses points faibles. Tu risques de... Il n'y a que comme ça que tu pourras... Tu risques vraiment ta vie, là, en faisant ça. Je la risque quand... Si je fais rien, je suis morte. Autant servir à quelque chose. C'est vrai, non? Non! Tu peux pas mourir comme ça, pas maintenant. Ça va le faire. Merci, Tristan. Putain de merde. Par contre, il sent à chaque fois que je t'ai vu. Ah ouais? Que je me lave, non? Comment il sent, putain? Je sais pas, il me dit, je sais. Il sait que je te vois. Il sent. Oh, d'ailleurs, il m'a touché. Putain de merde. Je peux pas m'énerver, les gars. Je peux pas m'énerver, il faut que je me calme. Il faut pas que j'ai réagi comme lui, en fait, David. Il faut pas que j'ai réagi comme lui. Calme-toi. Pas maintenant, garde ta force pour après. Ouais. Viens, je prends un peu l'air. Faut que je prenne l'air, putain de merde. Mais c'est là-bas. Ici. Putain de fils de chien. Ça sera qu'un flash, bien sûr, mais ça sera pas toi, je te le dis. Viens maintenant, putain, qu'on en finisse! Pourquoi tu viens pas maintenant qu'on en finisse, putain de merde! Viens, putain! J'aurais... Putain, comment tu peux porter le nom de notre arrière-grand-père? Tu mérites même pas! T'es une honte pour la famille, une honte! De toute façon, t'as pas le mental, t'as rien, t'es qu'une merde, voilà ce que t'es. Tu sais où me trouver, mais tu veux juste faire du mal à mes proches, c'est ça? T'es qu'un lâche, t'as juste peur. Si tu voulais me trouver, t'aurais pu.
T'aurais pu, putain de merde. T'aurais pu. Viens là, putain! Arrête. Monte-toi, putain! Arrête, arrête! Allez! What? Oh putain! Désolé. Oh mon dieu! Qu'est-ce que. Putain, ça a pété! Reste ici! Qu'est-ce. Lâche-moi, attends, lâche-moi vite! Attends, attends! Putain! J'ai pas d'extincteur. Vite, vite, vite. C'est où l'extincteur? Oh non, putain de merde. Elle m'a vu, putain, elle m'a vu, putain, pourquoi j'ai fait ça? Putain, elle a tout vu. Hein? Oh non! Nina! Oh putain. Mmh. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Mmh. Oh! J'ai mal à la tête. Nina! Mmh. Ça va pas? Si, ça va. Non, tu vas pas bien, là. Dis que ça va. Non, occupe non. Occupe-toi de toi, t'inquiète. Tu vas pas bien là. L'habitude. Non, mais c'est bon. Comment on monte à l'étage? J'ai un peu mal au bras, je t'avoue. Attends, on va aller à l'étage. Il y a un lit quelque part, non? Putain, il y a bien un lit! C'est pas grave. Mets-moi dans le truc. C'est pas grave. Il n'y a pas un lit, les gars? Attends. Voilà. C'est un peu. Voilà quoi, c'est en ruine, mais bon. Mets-toi sur le lit. Allonge. Allonge-toi. Je sais pas, elle est bizarre là. Ça va? Mmh, merci. Je suis désolé. Désolé. T'as rien vu, ok? Non, j'ai rien vu. Comme je vois jamais rien. J'ai l'impression que t'es un peu traumatisé là. Parle-moi, putain. Il y a trop de choses qui se passent en ce moment. Rien. Je comprends rien, Rowan. T'as explosé ma baraque. Maintenant, toi, t'exploses une voiture. Non, c'est. Je comprends rien. C'est parce qu'il y avait pas le frein à main, d'accord? C'est rien, ça. J'ai rien explosé, d'accord? Il y avait pas de frein à main et. T'inquiète, ok? Écoute, tout va bien se passer. Tu vas te reposer, tu dors ici, ok? Je serai avec toi ce soir. Tu restes avec moi, c'est vrai? Oui, comme ça, si vraiment il te retrouve, qu'il vient à moi. Tu veux pas juste désinfecter un peu la paix, elle est pas trop profonde. Faut juste désinfecter. Ouais, je vais le faire. Il faut que t'enlèves ton. Oula! Reste ici, reste ici! C'est pas que c'est ma voiture qui a pété.
pas en voiture. Quoi ça? Y'a quelqu'un? Putain de merde! C'est quoi ce délire? Je sais pas c'était quoi. Soit c'est ma voiture qui a fait ça, ce qu'il y avait du feu tout à l'heure. Ou soit c'est... Je sais pas. C'est quoi? Je ne sais pas. C'est pas lui. Il y avait des flammes. Je pense pas qu'il sait gérer les flammes, lui. Je sais pas, attends, j'essaie de me rappeler ce qu'il a fait. Il aime bien découper les gens et me donner des corps. Parce que d'après, mais mon grand-père, tout ça. Pourquoi il gérait des flammes? C'est pas un pyromane. Je sais pas. Mais j'entends là, j'entends quoi des bruits. Oh, le plancher, il craque. J'ai peur. Ron, j'ai peur, toujours, j'ai peur. Vas-y, viens, on se casse d'ici. Oulala. Oulala. Ça commence. Oulalalalalala. Ça commence. Ouh là 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 là. Viens. Viens. Viens ici, je t'aide là. Viens. Suis-moi. Attends, bouge pas. Pas un coup de pied qui va changer grand chose, tu sais. Attends. Je crois qu'il y a des gens qui habitent ici. Viens, 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 viens. Wesh, elle est où? Viens, 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 suis-moi, suis-moi, suis-moi. Ouais. Attends, je répare. Couche-toi, 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 on ne sait jamais. Voilà. Putain de merde. J'ai entendu des gens... tirer et des... Je sais pas, c'est chelou. Sûrement y'a... Je sais pas. On est peut-être sur une propriété. On va se cacher, on va se casser, on va se casser. Peut-être ça appartient à quelqu'un ici. Aaron. Mais je pense pas que c'est lui. Hein. Si ça aurait été lui, ça aurait été plus hard. Mmh. Vas-y, monte, 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 t'inquiète, monte. Comment ça plus hard? Mais comment t'as fait ça avec ton... Comment c'est rien, fait... c'est rien, putain, c'est rien. Je comprends pas. Frérot, tu m'entends? Putain, je comprends rien! Attends, y'a Kelly qui me parle. Oui, quoi? Va? Oui, ça va, tranquille. Bordel en ville, je sais pas ce qui se passe ce soir, mais c'est la merde. Quel bordel? Je sais pas, y'a plein de trucs qui se passent de ouf et tout, c'est la merde. Bah, mets-toi en sécurité, ok? Oui, je parle à me mettre en sécurité, mais toi, fais attention à toi, d'accord? Oui, t'inquiète pas pour moi.
Je t'aime fort. Moi aussi je t'aime. Fais attention à toi. Ouais, t'inquiète putain, pas. Putain, où est-ce qu'on va se mettre la putain de merde? C'est quoi ce délire? Je comprends plus rien. Sécurité? Ta sœur, elle est en sécurité ou pas? Oui, elle va se mettre en sécurité là, je lui ai dit. Putain, il y a juste un endroit où on peut être en sécurité, mais je peux pas t'emmener là-bas. Maxi, je suis obligé de l'emmener là-bas, les gars. Ok, on va aller là-bas. Là-bas, personne peut nous détecter. Putain, mais par contre, cet endroit, faut faire vraiment attention. Ouh. Reste pas à rien faire, on peut pas rester sans... Voilà. Je vais te montrer. Tu m'emmènes où ? C'est un endroit où personne peut nous retrouver. C'est là-bas qu'on est en sécurité. Y a rien, tout est à l'ancienne, y a pas de technologie, y a rien, quoi. Éteins bien ton téléphone, en tout cas. Il est éteint, t'inquiète pas. J'ai pas le choix, les gars, j'ai pas le choix. Je prends le risque. Il nous écoute depuis le début, je suis morte. Je suis tellement morte, mais je suis morte, putain. T'inquiète. Ron, je peux mourir. Je crois que je suis en train de mourir. Tu vas pas mourir, putain, arrête. Calme-toi. Il est fou. Ressaisis-toi, la putain de merde. Fou, je te jure, tu l'as pas vu, il est fou. Il est fou. Il m'a accueilli à la Savanta avec des corps par terre, démembrés et des putains de corps attachés. Oh, putain. Il a fait quoi? Ah. Il t'a accueilli avec des corps découpés pour la Saint-Valentin? Oh mon dieu, ouais. Putain, c'est quoi ça? Putain, je reviens pas. Mais j'ai fait quoi pour mériter ça? Dis-moi, je comprends pas. Je sais pas, putain, pourquoi il t'en veut, putain? Tu traînes trop avec moi. Non, il m'aime beaucoup, justement. Je sais pas. Ça me dégoûte de penser qu'il puisse m'aimer. On va aller en endroit en sécurité. Je vais devoir dire à Kaylee aussi de venir au village, parce que là, c'est risqué. Mais par contre, faut pas qu'elle te voie là-bas. Miro ? On va dans un village. Un village intraçable. Où on a notre sécurité. Ok ? Peux-tu ? Attends. Tu peux pas prendre ce risque ? Oui. C'est un peu chaud là, il faut vraiment que tu te caches non. Au village un peu là. Mais je... Pourquoi tu fais ça ? Imagine, je le guide jusque là sans fais le fais-moi confiance, ok ? Non, tu peux pas faire ça. Tu veux aller au village ? Je sais attends. Même pas si tu peux me faire confiance. Tu viens au village et tu te mets en sécurité parce que là il y a des trucs bizarres qui se passent là. Mais j'ai peur d'aller au village. Y a rien au village, c'est là qu'on est en sécurité, tu le sais très bien. Fais-moi okay. Confiance, je suis là-bas, je t'attends. Ok, j'arrive. Qu'est-ce que tu me disais? Imagine, je suis pas digne de confiance, tu peux pas risquer un endroit sécurisé, putain. Je te fais confiance. Mais il me suit, bordel. Tu vas aller où alors? Mais je sais pas. Mais s'il te plaît, crame pas l'endroit où vous êtes en sécurité. Non. Justement, si là-bas on a sécurité, il te retrouvera pas. Fais-moi confiance. Je peux pas te laisser comme ça dans la nature. Mais je crains beaucoup moins que vous. Non, 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 t'es aussi autant en danger que nous. Obligé de l'amener. Si vraiment, écoute-moi, si vraiment il voulait te tracer, il aurait été déjà là, actuellement. Est-ce que il a pas su que t'étais avec moi? Il a juste senti. Mais sinon, là, à l'heure actuelle, il t'aurait retrouvé. Il m'aurait attaqué. Tu vois ce que je veux dire? Wesh. Pourquoi il y a autant de flammes ici, putain de merde? Je comprends pas, putain, mais il a pas de flammes, lui! C'est pas possible! Est-ce que c'est moi qui fais ça?
Phoenix, c'est toi ? Ouais, c'est la buggée là, je crois, non ? Elle a buggé ou pas, les gars ? Ok. La crash, ok, je l'attends. Putain, faut pas que ma soeur la voie. Hop là. Ok, je l'attends. On va l'attendre. Est-ce que, parce que moi le phénix, je suis la flamme, est-ce que c'est moi qui fais ça? Ou est-ce que c'est... J'ai peut-être... En fait, peut-être je suis trop stressé, c'est ça peut-être. T'es prête, c'est bon? Je vais t'emmener à un endroit. J'ai pas le choix. Il faut que tu dors ici ce soir. Ok ? Quoi ? Tu vas m'emmener où ? Notre village. C'est quoi ici ? Là où on se cache. Où il y avait toute ma famille. Quoi ? Oh ! Mais t'es... T'as hérité de tout ça ? Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais. Wow. Faut pas que... Là... On est d'accord qu'il faut pas qu'Ellie te voie. Ouais, non, non, non. Parce que ça va... Elle va se poser en contrition, elle va stresser. Ouais. Ok. Non, il faut surtout pas l'inquiéter. Attends, je la demande où elle est. T'es où, Kaeli? Arrive, frérot. T'arrives, là? Je suis sur la route. Elle est sur la route. Ok. Mais... Je sais pas où aller, je connais viens, rien ici. Viens. Tu vois, ici on vit à l'ancienne. Oh. On est obligé, putain de merde. Y'a rien des trucs, tu vois, un peu poussés pour nous retracer. On vit vraiment à l'ancienne. Putain. Voilà. C'est quoi ? Ouais, je sais que c'est pas... Non, c'est juste que... Attends, tiens, j'ai déjà découpé le poulet, là. Je vais te mettre un peu à cuire. Là, il faut juste... Est-ce que tu peux me rendre un service, s'il te plaît ? Viens. Ouais. Viens. Tu vois ça ? Faut plumer. Tu veux que je plume ça ? Oui, plume ça toujours. Attends, est-ce que tu veux que je... Non, à moins que ton bras fait mal. Il faut que je m'occupe de ton bras aussi, putain. Donne-moi ce qu'il faut, je m'en chargerai toute seule. Non, pas grave. Non, je vais t'aider, t'inquiète. Non, laisse, je vais le faire, là, je vais le faire. Viens. Putain. Enlève juste, je vais m'occuper de ton bras. Avant qu'elle arrive. Viens ici. Allez, montre-moi ça. Putain. Attends, je soulève ma manche.
Ok, vas-y. Bon, j'ai peur quand tu vas desserrer le truc. Vas-y, vas-y. Tends ton bras. Hop, je vais enlever un. 2, 3. Oh putain. Ok, voilà, ok. Ah ouais. C'est quoi? Je le sens. T'as eu un coup de couteau ou quoi? Ah, je crois. J'ai pas vu. Oula, putain, attends, je vais mettre ce qu'il faut. Attends, bouge pas. Regarde, j'ai tout ce qu'il faut ici, regarde. Prends un cachet ici, déjà. Pour anti-douleur, hop. Tiens. Waouh. Ouais, on survit ici, quoi. Vas-y, prends. Hop. Je mets dans ma bouche. Hop. Hop. Donne-moi ton bras. Hop. Je vais mettre ça. Voilà. Hop. C'est quoi? Si, t'inquiète, ça brûle. Ça va piquer, voilà. Ah. Voilà, t'inquiète. Hop. Et là. Putain. Hop là. Je bande. Enfin. Tu bandes bien, putain. Non, je... Allez. Je... Allez, hop, voilà. Ok, c'est bon. Attends, je bouge un peu mon... Si tu veux te doucher, il faut prendre un casserole, ok? Tu mets de l'eau quoi dedans et tu vas te baigner à l'arrière juste derrière, là. Quoi? Ok? Si tu veux te laver un petit peu. Tiens, voilà, il y a un casserole ici. Tu mets de l'eau dedans, tu fais chauffer un peu l'eau, ok? Et tu vas te doucher à l'arrière. J'ai jamais fait ça, Ron. Tu vois, tu... Ah, voilà, c'est ici. Voilà, t'as juste à mettre un peu d'eau ici, ok? Ok? Ouais. Tu prends et tu vas te doucher à l'arrière, ok? Mais fais attention si elle est là. Moi, je vais voir si elle est arrivée, d'accord? Elle va te doucher toujours. Ouais. T'inquiète, je fais diversion. J'arrive. Putain. Vas-y. Ouh. J'ai chaud, hein. Dis-moi quand t'arrives, hein. Oui, je suis bientôt là, là. Tu es fou. Merci franchement pour la somme, j'ai compté tigir des fous. From now on, call me Frederick. Oh. Putain. Là, je suis obligé de l'amener ici, putain de merde. Casse les couilles. J'ai pas le choix, putain. Je pouvais pas, mais là, elle est blessée et... Elle m'aide. Et en plus, là, je suis sûr qu'elle est en train de se foutre de ma gueule, là. Ouais, regarde de quoi il vit. Cette connasse, je suis sûr qu'elle est en train de se foutre de ma gueule. Obligé, même. Où est-ce qu'elle est partie, ouais? Je suis dans deux... même pas... Ok. Ouais, c'est parti où? Elle est vraiment partie se baigner? Ne dis pas qu'elle est sortie là-bas, elle est tombée. Ok, on va l'attendre. Faut qu'elle se cache là, putain, elle va arriver. Elle est là. Qu'est-ce que tu fais? Je suis là. Mais j'étais en train de me laver. T'as fini? Oui. Vas-y, va, cache-toi, elle arrive. Mais je te cache ici. Quoi, tu te caches ici? Je suis là, frérot. Non, reste à l'intérieur. Ah, elle est là, putain merde. Ah, enfin, putain. Quoi? Ouais, putain de merde. Il se passe quoi? Il y a des explosions un peu partout là, c'est ça que j'ai eu peur, putain. T'es sérieux là? Bah oui, putain, ça commence à être hard là. Et tu penses que c'est quoi? Je sais pas c'est quoi, en tout cas, je voulais juste m'assurer que t'allais bien, tu vois.
Sérieux? Ouais. Mais j'allais bien, je te l'ai dit. Mais on ne sait jamais, ok? C'est dangereux, j'étais là, ce qu'il en sécurité. Et alors? On ne sait jamais. J'ai un appartement à côté de la plage. Tu as déjà dit, c'est ici que tu seras plus en sécurité. Je suis pas très sûre, parce que deux fois que je suis sortie d'ici, deux fois je me suis fait attaquer par David. Non, non, t'as une fois, exagère pas. Non, deux fois. Avec, une fois avec balle, on sortait d'ici, et une deuxième fois toute seule, où je sortais encore d'ici. Oui, mais est-ce qu'il est déjà venu ici? Je pense pas. Non, mais est-ce qu'il sent quelque chose ici? Apparemment, il y a quelque chose ici qui nous protège, je ne sais pas encore c'est quoi. Pourquoi le cul court là-bas, là? Quoi? Pourquoi le cul nu, il court comme ça, là, comme un psychopathe? C'est quoi? Non, bah après, c'est un appart. T'inquiète, t'es pas obligé de rester ici au pire, hein, t'inquiète. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me caches quelque chose? Quoi? Il y a un truc que tu me dis pas. Comment ça, un truc? T'es folle ou quoi? Je voulais juste m'assurer qu'elle est bien. T'as rencontré quelque chose de pas bien, c'est ça? Non, tu mais vas bien, t'es pas blessé, hein? Attends, je regarde. Ça va, ok, ça va. Non, ça va. Je vais voir tes... Ouvre la bouche. Arrête, putain, c'est si, bon. Si, si, ouvre la bouche, je vais voir s'il y a du sang. Ah... Ah, non, y a rien. Mais oui, t'inquiète, tout va bien, ok? Mm-hmm. Ouais, parce que si tu te fais blesser, je vais pas rigoler, hein? Juste, s'il te plaît. Ouais. Fais attention à toi. Ça, d'un côté, j'ai pas envie que tu repars en ville, putain... Tu me fais peur, mais au moins reviens ici. Tu dors dans la grange, ok? Grange, j'ai l'air de... Est-ce que tu m'as vu? Il y a un canapé, mais on dort dans les canapés de toute façon. Il y a des canapés là-bas et ici c'est en travaux. Je vais le retaper un peu ici. Ouais, parce que là, la vérité, c'est... J'en peux plus, moi, de cette maison. Je vais mettre des lits, t'inquiète. Il y a des bêtes de partout, il y a des punaises de lit, c'est incroyable. C'est soit tu dors dans la grange, ok? Il y a un canapé et moi je vais installer des lits et tout. Mm-hmm. Je sais pas si tu vas aller, tu vas aller dormir à quelle heure là? Pas maintenant. Tu reviens ici après, ok? Oui. Dans la grange. Oui. Oui. Ok. Ok. Bonne soirée alors. Fais attention à toi. Tu m'as fait faire tout ce chemin, sérieux, Aaron. Bah, j'ai. Sérieux. Moi je t'ai dit, va dormir, mais tu vas pas dormir, je sais pas moi. Tant pis pour toi. Hein. Non, je dois être. Je vais aller avec mes amis un petit peu. Ouais, vas-y. Arrête, Aaron. On est jeunes, on peut profiter un petit peu, tu sais. Mais fais attention que personne te touche. Hein. Mais personne me touche, sinon je lui pète le bras. Ouais. Allez, vas-y, bon. Vas-y, bouge. Attends, je te fais un câlin. Tu mérites un câlin. C'est trop mignon comment tu te comportes avec ta sœur. T'es tellement gentil avec moi, t'es un amour. Tu le sais, ça? Vas-y, t'es mon petit lapin. Oh, le mon petit lapin. Ouais. Mon petit lapin, ça, moi, ça, c'est mon lapin. D'accord, tu fais attention à toi, tu vas faire le dodo et tu reprends des forces. Allez, c'est bon, bouge. Mouah, voilà. Ouais, bisous. Allez, tu fais attention à toi, hein, tu fais le gros dodo. Que je te prépare un petit lait au chocolat avant? Non, c'est bon, ça ira. T'es sûr? Un petit sandwich, un truc comme ça, un truc à manger, ça va? Faut ça va, aller. La bête, hein. T'inquiète. Pour la nourrir, la bête. T'inquiète, allez, va avec tes amis, c'est bon, allez. Allez, attends, non. Tu m'as saoulé, allez. Je vais faire ton lit. Mais allez, c'est bon, putain. Mais sérieusement, laisse-moi faire ton lit, ça. Y'a pas de lit. Non, mais allez mettre le drap et. Y'a pas de drap, y'a pas de lit et il sent travaux ici, ok? Je vais retaper. Mais j'ai pas vu ta trappe des punaises de lit là sur toi. Allez. Ou au pire, j'enlève mon haut et je te le fais en guise de drap. Si tu restes ici, tu sors plus. Oh my god. Je t'enferme à l'intérieur. Tu sors plus pour ce soir, finis des amis. Vas-y, rentre. Fais attention à toi, d'accord? Non, viens, entre. Non, ça va aller. Tu vas pas me carotte comme ça. Ouais, bah entre. Non. C'est sûr. Oui, très sûr. Allez, salut alors. Bisous. Allez, rentre-toi. Je vais... Bouge-toi. C'est en sécurité. Allez, bouge. Tu es. Eh. Eh. Bon, tu ok. Tu veux que je te bouge? Non. Un coup de pied, ça va aller vite, hein. Oui, je sais. Mais attends. Allez, sinon je vais taper. Dis-moi s'il y a un problème, tu m'appelles, ok? Toi aussi. Fais-moi confiance, ok? D'accord. Arrête de douter de moi. Fais-moi un peu confiance, allez. Mais non, mais moi je te fais confiance. T'as vu? Donc allez. Allez. Bisous, je t'aime. Moi aussi.
Elle se doute de quelque chose, cette folle. Nina! Quoi? C'est bon, elle est partie. Mais elle se doute de quelque chose. Comment ça? Viens, viens, viens. On va à l'intérieur. Oh putain, il m'a fait peur, ce connard! Viens, 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 viens. Entre à l'intérieur, entre à l'intérieur. C'est bon, elle est partie. Ouais, elle est où cette folle? Mais cette folle. Mais je vais. Elle va se faire remarquer, wesh. Wesh, t'es où? T'es où? À l'intérieur. Ok. J'ai pas envie qu'il... Après elle va penser encore n'importe quoi là. Quoi? Penser quoi? Mais non. Eh, je te jure, si nous va ensemble, on va dire non 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 non. Putain, et moi je suis habillée comme ça, ouais, c'est vrai, j'avoue, c'est bizarre. Ouais, c'est ça, elle va penser n'importe quoi et... Alors que je m'en bats les couilles, tu vois. Ouais, pareil, je m'en bats les couilles de ta gueule. T'as vu ta tête, wesh. Non mais t'as vu la tienne. Mais ouais, je... Moi, moi, c'est pas refait, moi. Ouais, bah... Bah écoute, je préfère être faite que mal faite, hein. Arrête de parler, sinon je vais te défaite, là. Tu vas faire quoi? Non, rien. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Bon, ah. Va te coucher. Je te mets une musique pour t'aider à dormir. Allez. Petit poney, petit poney. Allez, va au lit. Tu es tout gris, ton petit petit poney. Allez. Petit poney. Allez, va au lit. Et je dois dormir où, là-dessus? Oui, vas-y, mon petit poney, vas-y, là. Va dormir. Tu vas faire de dos. Arrête! Tu vas faire de dos, le petit tu poney, hein. Arrête! Sans te soucier du temps qui passe. Allez, mon bébé, va de dos. Comment tu m'as appelé? Bah, un petit bébé, bref. La nuit qui tombe sur le pré, c'est aussi ça. La nuit qui tombe, allez, petit poney. Ok, ok. Désolé, désolé. Fallait que je la fasse une fois au moins, toi. Bon, comme tu peux pas savoir, il y a beaucoup d'argent un peu qui traîne partout, voilà, hein, c'est... Ouais, rien d'inhabituel pour moi. Ouais. Vas-y, va dormir. Mais il faut les ranger, tu peux pas les laisser là. C'est pas... Dormir, c'est vraiment. Pas trop propre, cet argent. Vas-y. Et toi, tu vas faire quoi? Je vais sécuriser la maison. Pourquoi? Non, je sais pas, je me demandais. T'as peur? Je sais pas où t'as tu peur... dors. T'as peur de dormir seul? Non. Oh, moi, le moi, petit poney. Petit poney, petit poney. Arrête avec cette musique. Ok, fais des... Putain. Tiens, merci frérot, merci. Désolé, désolé. Non, en vrai, voilà, fais-toi, fais bien dodo. Je suis pas loin, t'inquiète. À moins que tu veux que je reste ici. Mais bon, vu que je suis mal faite, donc... Ouais, c'est moi qui suis mal faite, j'ai pas envie de te déranger avec mon plastique, hein. Allume pas le feu, je risque de fondre, connard. T'as refait quoi? Ça te regarde pas. Ouais, j'allumerai pas le feu, t'inquiète. Dis-moi ce que t'as refait sur toi. T'as mais pas besoin de le savoir. Bon, on est entre nous, wesh. Bah, j'ai juste refait mon nez, mes seins. C'est après... tout. Ah ouais, le c'est nez. Tout c'est pour après, ça t'as un ouais, petit nez, là. Mais putain, t'abuses. Ah là là, bah, là là. On n'est pas tous comme toi. Hein? Rien. Après. Quoi encore? Après, voilà, hein, t'es. T'es. Ça passe, tu vois. Ouais, allez, dégage. Mais. Bouge, je t'ai dit! Pourquoi tu me frappes, toi? Parce que tu m'énerves, bouge.
Tu veux jouer à ça? Tu es en train de me critiquer sur mon physique. Mais je te critique pas, je te dis juste que si, tu t'es bien comme tu es, putain. Pourquoi t'es parti refaire ton nez? C'est quand que t'es parti refaire ça? Bah avant d'arriver ici. Putain. Tu gâches tout, putain. Mais je gâche rien du tout. C'est ça quand on a trop d'argent. On sait plus quoi faire et voilà, on fait de tout et de n'importe Arrête quoi. Arrête de toujours parler de mon argent, putain. Je suis plus que mon argent, tu comprends ça ou pas? Non. Y'a que ton argent non, qui t'intéresse. Non, tu comprends pas. Y'a que mon argent qui m'intéresse, ouais, c'est ça. Je le sais. Ouais, tu sais tout, toi, de toute façon. Tu connais mieux tout que tout le monde, c'est ça? T'as tout vécu, t'as tout vu. En plus, t'as une force, j'ai jamais vu ça. Oui, c'est... Un jour, j'étais plus carré, ok, mais... Là, t'es un peu malade, donc... Malade? Bah oui, tu commences à mettre des bracelets dans tes oreilles, ça se voit que t'es pas bien. Quoi? Que t'as des boucles d'oreilles, t'es con, quoi? Tu te fous de ma gueule. C'est un bracelet, wesh. Passe ton bras dedans, tu verras. Ça passe pas. Bah si, c'est un bracelet. Prends une main. Ouais, mais c'est pour la... Montre-moi ta main. Ouais. Vas-y, montre. Quoi? Ah, tes ongles, ils sont bien coupés et tout. Ou pas, ouais. Ça m'étonne, je sais pas. Ouais. Ouais. Pourquoi? Non. C'est pour voir. T'as pas envie de t'habiller à chaque fois que je te vois, t'es torse nu, putain. T'as quoi? T'as chaud ou quoi? Bah non, moi, mais... Qu'est-ce que t'es fait? Mais t'es conne ou quoi? J'ai plongé pour venir te... Et j'ai pris mon truc pour te bander. Oui, bah c'est bon, tu m'as bien bandé. Mais voilà, comme je te dis, j'ai pas autant d'argent que toi, moi. Mais si t'as besoin, tu sais que tu peux me demander, en plus je te dois toujours 200 000. Ouais, d'ailleurs, rends-moi mes 200 000, s'il te plaît. Mais c'est pas sur moi, là, t'es con. Merci, frérot, pour le sub, le dab... Frérot. Attends, je les rends demain. Oui? J'ai des problèmes, je suis juste en bas de la montagne, ma voiture ne marche plus, viens m'aider. Mais putain, mais tu me casses les couilles, tu sais pas piloter un putain d'AMG? Mais c'est le mur qui est venu à moi. Je vais te retirer cette AMG, je te jure, je vais la retirer. Non. Si, non, si, 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 je vais te redonner ta Panto de merde là. Non. Je te donne une voiture et là t'as déjà écrasé, mais putain. Mais non, c'est là, le mur il était trop. Envoie-moi ta pause. Oui. Écoute, j'arrive, je réparais sa voiture, elle est en bas de la montagne, elle a fait un accident, c'est folle. Ah, je te jure, c'est pas facile d'avoir une sœur. Je t'attends là? Oui, attends-moi là, mets-toi à l'aise toujours. T'as besoin de quelque chose? Je sors là. Juste une couverture. Une couverture? Pourquoi? Bah, pour dormir, t'es t'as fou, froid? Quoi. Bah, t'as vu ma tenue? Ouais, mais j'ai pas d'autre tenue. Mais il est mouillé ton peignoir là en plus. Ouais, il est trempé. Change! Au pire, je vais te prendre une couverture, ok? J'arrive. Je vais la réparer, sa voiture. Tu ferais mieux d'y aller. Aaron. Tu ferais mieux d'y aller. Aaron. Tu te dépêches là? J'ai des amis à aller voir. J'ai pas essayé. Je reviens, oui, je reviens. Je reviens. Un chemin. J'arrive là. Ouais, bah ça va. Et t'es pas mal celle-là, non? Putain! Cette sœur là! Ça me tue parce qu'elle fait vraiment son rôle de sœur. Les sœurs sont chiantes, ça, tu sais? C'est drôle. Ouais, non, je peux pas. Je peux pas avec Nina là. Non, je peux pas. C'est une bimbo, putain. Jamais je la touche celle-là. En plus, c'est des faux seins, c'est des faux. Tout ça c'est faux, c'est pas réel.
Elle a refait, putain de merde. Moi qu'elle me dit. Oui. Si, elle a refait. Ça se voit que c'est refait, ça. C'est pas d'origine. Pas, je fais rien, moi. Je touche pas à ça, moi. T'es au fou. Jamais de la vie, je touche ça, moi. Ken de retour. Non, Ron, il est pas comme ça. Non. Il va rien se passer, les gars. Je vais arriver, je dois mettre une gifle. Non, jamais, ça se fait pas. Oh, putain, l'embouteillage qu'elle a fait. Oh là là. Oh putain. Je joue à la marelle avec les gens, c'est pour ça. Sors. Putain, c'est pas possible ça. Tiens, mais c'est pas de ma faute. Prends ça. Quoi? Ça c'est au cas où. Merci. Ouais, c'est cool. Merci. Attends, je vais la réparer là. Fais attention, s'il te plaît, ok? Oui, ça va. Ok. Putain, j'étais occupé là. T'étais occupé à faire quoi? Je suis en train de me préparer pour le grand jour. Je m'entraîne un peu. Ah, je peux te regarder? Bah non. Bah pourquoi? Parce que tu peux pas, c'est tout. Tu risques de mourir. Allez. Mais n'importe quoi, je vais pas mourir. Qu'est-ce que je t'ai dit? Viens ici. C'est le camion. Aïe. Viens. Allez, viens. C'est bon, c'est rien. Allez, viens. Viens. Qu'est-ce que je t'ai dit? Allez, prends ta voiture et casse-toi là! Reste pas dans la voiture, c'est bon, c'est bon! Il a cassé ma voiture! Allez, c'est. Putain! Il est pas là! Merci! Ouais, t'es malade là-bas! Vas-y, prends ta voiture, casse-toi! Tu veux que je fasse un petit chocolat chaud? Casse-toi, prends la voiture, vite! Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Prends la voiture, casse-toi, allez, vite! Non, ça va! Oui. Tu me dégages comme s'il y avait un truc d'important! C'est vrai. Allez, vite. Ouais, c'est un connard lui. Chelou ce mec. Ah, il va m'arrêter de casser les couilles, j'espère qu'elle est là. Elle joue bien son rôle de sœur chiante là. Il a sauté au cal. Il a cru que j'allais le foncer dessus, j'allais pas faire ça. J'allais juste regarder. Il te connaît trop. Ouais, après oui, j'ai eu une petite envie de sauter, de l'écraser, mais j'ai dit non, je peux pas. J'ai eu l'envie, j'avoue. Il est un bordel de merde. Petit poney. J'ai ça dans la... Les gars, j'ai encore petit poney dans la tête.
Hey, vous êtes en vacances ou quoi? À cette heure-ci, vous êtes autant nombreux là. Attention, le petit bip qui fait plaisir. Ah, ah ouais, y'en a, ils sont en vacances. Parle d'une soeur, qu'est-ce que c'est cool, une soeur de cul. Toujours en train de me casser les culs. On est marre, putain.
Tu sais, il m'a frappé. Eh ben, tu le refrappes. Mais il a pas voulu m'ouvrir la porte de sa voiture quand je le frappe. Kaylee, s'il te plaît, arrête de me déranger pour des petits trucs comme ça, s'il te plaît. Là, je vais dormir. Là. Bah, toi, je me fais frapper, t'es sérieux là? Ça va, t'es. Ah, parce que là, c'est à ma copine. Putain! Oh, calme-toi, pourquoi tu cries comme ça? Elle me casse les couilles! Mais... j'en peux plus! Calme-toi, c'est bon! C'est bon! Allez, calme-toi, voilà, respire doucement. C'est pas facile d'avoir une soeur, putain de merde! Oui, certes, mais c'est bon, reste calme. Elle a besoin de toi, c'est normal, non? T'es un peu son repère, enfin, c'est logique. Je suis désolé d'avoir crié. J'ai l'habitude, hein. C'est bon, là? Ouais, ça va. T'es trop proche, là. Ah, c'est bon, hein. Et j'espère que tu ronfles pas. Eh, hey, si j'ai refait un nouveau-né, tu crois que c'est pour ronfler, connard? Ah, c'est juste... c'était pour ça? Mais j'avais des problèmes, oui. Mais c'est... on ronfle pas par le nez, t'es conne ou quoi? Mais t'es con? C'est dans l'estomac, putain, t'es conne ou quoi? Et t'es en train de me rendre folle. Attends, t'es en train de me dire que tu... ouais, non, t'es en train de me rendre folle, là. Eh, hey, casse pas les couilles, là, ouais. Oh. Oh putain. Je voulais pas, vraiment, je voulais pas. Je voulais juste me lever, ça, j'ai glissé. Je voulais pas, vraiment, je voulais pas. Ça va? Vas-y, dégage. C'est bon, c'était rien fait. Et puis on ronfle par le nez quand même. Regarde. C'est dans la gorge. Ah. Quoi? Tu me dégoûtes. Quoi? Tu me dégoûtes. Et alors? Bref. Après, tu pollues mon espace vital, dégage. Ouais, ok. Trou du cul. Ouais, bah, le tien, il est mal fendu. Toi, ton trou du cul est aussi gros qu'un ballon de foot. Ah bah, on se demande, toi, ce qui passe par ton cul, hein. Ah, je suis mort. On peut pas lancer? Attends, faut que je fasse quelque chose, les gars. Donnez-moi une idée, là. Il faut que je fasse quelque chose. Oh, ça va? Qu'est-ce que t'as? Bah, je sais pas, j'ai lâché une caisse, je crois, sans faire exprès. Bah, normal, t'as vu la grosseur de ton trou du cul, t'es lâche, mais c'est normal. Aïe, aïe, putain, arrête! Arrête de ouais, me lâcher! Mais t'es lâche à ce point? Lâche de quoi? Je cours vers toi, tu sais très bien que je vais te taper, non? Non, mais là, ce qui s'est passé là, c'est quoi ça qui s'est sorti? Ah ouais, je sais pas, C'était une fontaine, wesh. Arrête! Bah ouais, qu'est-ce qui s'est passé? T'as rien vu! J'ai une tache? T'es. Non! Quoi? T'es sérieux là? T'es sérieuse? Quoi? Quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Mais de quoi tu. Mais là! Pfff! Cascade là! Quelle cascade? Pff, tu racontes n'importe quoi! Ouais, calme-toi un peu là, ouais!
Me calmer de quoi? C'est toi qui es chaud comme la braise là. Mais non, je suis bien moi. Ah ouais? Bah ouais. Ouais, j'ai pas l'impression, ouais. Pourquoi t'as cru que... Je te sens tendu, Aaron. C'est toi qui es tendu, wesh. Non. Va te détendre un peu, hein. Ouais. Comment une connasse, celle-là. Je peux pas rester tranquille. Ami, non, ami, lui et moi. Non mais elle a vraiment cru que t'as l'eau que j'allais l'éteindre, mais elle est vraiment conne, putain, elle a vraiment cru. Franchement, si elle savait comment elle me dégoûtait, si elle savait comment elle me dégoûtait. Plus de la gueule, il vient me parler 2 cm de mon cul. Plus de la gueule, elle sent la... Elle sent le cabot, putain, qu'est-ce que t'es en train de me dire? Le cabot qui est mal lavé, là. Le cabot, il est plus propre que ton visage. Mon visage est plus propre que ton cul, quoi, là. Moi, j'ai pas le cul lâche. Ouais, bah, je sais pas, t'es assis dessus, là. Eh bah, ben, je te chie dessus. Dégueulasse, comme tu me dégoûtes. C'est reparti, les gars. Ça va jamais se finir. On remet quoi, les gars? Ça va péter. On remet de l'eau. Oh putain, mais tu me dégoûtes, putain, tu vas arrêter là? Qu'est-ce que tu fais? Je me casse d'ici, c'est bon. Va pas dehors, c'est risqué. Mais qu'est-ce que t'as? C'est bon, je te... Je sais pas ce qui se passe, putain, j'ai un problème au fion, tu comprends ça? Mais mets-toi un bouchon dans le cul! Mais bouche-moi le cul, toi! Eh ben viens, putain! Éteins la lumière. Ok. J'arrive. Allez, salut les gars. À demain.